הנה תאיש. רבי עמוס? מתקיפה. אילה שורי טריפה. עמוס? Excuse-moi parce que j'ai pris la gemara de Yoram Derubi parce que hier je n'avais pas. Rabbeinu? Amos, tu vas bien? Oui, Baruch Hashem, oui. Mais il n'est pas encore arrivé tout à fait. Tu as reçu ah bon, mon alors message? Là, quel message? Je t'ai envoyé un message parce que j'y comprends rien avec les élections américaines et je suis sûr que toi tu connais mieux. Oui. Alors, on est combien là? On est. Il y a Auréan, on est monsieur là, Lélé. Voilà, il y a Amos, il y a Frankel. Ok. Là, tu es où, en France ou en Israël? Je ne suis pas en France. Parce qu'ici, en France, ils nous envoient des... À la radio, c'est que du shaker. Que du shaker, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, on ne comprend rien du tout. Voilà, ce que je... Israël, tu as des meilleures informations en Israël. Non, oui, c'est pareil, mais apparemment, en Israël, pour moi, Trump, il a perdu. Erev Tov. J'ai plus de connexion là. Je fais avec le téléphone. D'habitude, je fais sur l'ordinateur. Mais là, j'ai pas de connexion aujourd'hui. Et un technicien est venu me l'enlever. Là, vous m'entendez quoi, le... Vous m'entendez? Oui, vous voyez, non? On te voit bien, on t'entend bien, tout est bien. Qu'est-ce qu'elle t'a enlevé? Elle t'a enlevé quoi?
l'ordinateur. On va enlever la connexion Internet du tout complètement. Ah bon? Parce que j'étais chez Free et je vais passer chez Bouygues. Tu as bien fait parce que moi, je vais quitter Free aussi. Toi quoi? Moi aussi, je suis chez Free et je vais quitter Free. Ils sont membres Zérim. Ouais. Mauvais. Moi, bon. Par exemple, ça fait depuis, je ne sais pas, deux semaines, j'étais en panne, je l'ai téléphoné, on m'a donné rendez-vous le 9 novembre. Je dis, oh. Ouais. Bon, allez, Rabine, voilà. Allez, très bien. On s'est arrêté hier à quel. Ok. Je vais enlever le micro parce qu'il y a un peu de bruit, mais bon. Mais oui, moi, j'ai cherché partout. Finalement, j'ai pas retrouvé. Apparemment, la Gemara de Irovine, j'ai dû la ramener à la synagogue. Je l'avais emprunté à la synagogue, j'ai dû le ramener. Et du coup, j'ai pas de Gemara Irovine. Alors, je fais Babé. Non, est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour l'avoir sur un truc internet ou je sais pas. Hebrew Books peut-être, je sais pas moi, Hebrew Books, non? Je sais pas ce que c'est. Hebrew Books, Hebrew Books. Ouais. Ça s'écrit comme en anglais. Comme en anglais, exact. Hebrew Books. Et je regarde là-dedans et j'essaie de trouver un truc. Bon, moi, à mon avis, il doit y avoir chasse quelque part, ouais. Allez, on y va, les Sadikim. Voilà, peut-être comme ça, ça mieux, je ne sais pas. Alors, on s'est arrêté d'Avbet Amoucheni en bas de la page, dernière ligne. Et là, Merata, Lotianele Amaltara. Alors, c'est quoi la question et de quoi on parle? Revenons à Rav. Rav, on l'a vu hier. Rav, il a dit que la raison pour laquelle on a 20 amot de hauteur jusqu'à 20 amot de hauteur pour la Korah. Voilà, on a appris ça du Echal. D'accord, le Echal avait une hauteur de 20 amot. C'est la raison pour laquelle, si maintenant on a dépassé les 20 amot, il y a Yemaret, le Tana dit Yemaret. La Gemara demande si c'est vrai que c'est ça la raison pour laquelle on apprend, on a nos 20 amot à cause du Echal. Et là, mais Atalot Yanele Amaltera. Alors, selon ça, Amaltera ne doit pas être bénéfique. C'est quoi cette histoire de Amaltera et d'où je sais que c'est bénéfique? On va le découvrir au fur et à mesure des quelques lignes de Gemara qu'on va voir tout de suite. Dans le Echal, il y avait ce qu'on appelle Amaltera. Amaltera, c'est quoi? La Gemara va définir ça par la suite. On va tout simplement dire pour le moment que ce sont des choses qui permettent qui tire l'œil vers le haut, quoi. Attendez voir, je vois s'il y a une photo au niveau du Beit HaMikdash. Je n'ai pas de photo sur le Beit HaMikdash, sur Amaltera. Bon, en tout cas, on va voir c'est quoi Amaltera par la suite, mais en tout cas, c'est quelque chose qui tire l'œil, d'accord? Et donc, même si au niveau du Mavoy, on verra plus tard que si on a une Amaltera, c'est pas grave si la poutre, elle est au-delà de 20 amot, c'est-à-dire elle fait 25 amot ou 30 amot, ce sera quand même caché grâce à la Amaltera qu'il y a là-bas, sur la poutre. D'accord? Ou à côté de la poutre, on va définir c'est quoi Amaltera par la suite. En tout cas, dès l'instant où il y a Amaltera, la poutre, elle peut être au-delà de 20 amot. C'est ça ce qu'il faut retenir. Or, dans le Echal, il y avait Amaltera aussi. Et pourtant, la porte, le pétard était que de 20 amot. D'accord? Donc, dis la Gemara, si Rav, toi, tu apprends du Echal, ouais, ça veut dire que même si il y a Amaltera, tu ne dois pas dépasser les 20 amot. Or, toi-même, on verra par la suite, toi-même, tu vas dire que si on a une Amaltera, même plus de 20 amot, eh bien, c'est bon, on n'a pas besoin de diminuer. Voilà la kushia de la Gemara. Et là, Amata, dans les mots, l'otian et l'amaltera, dea echal, amaltera, ou yale. Le echal, il avait amaltera. Filo achia, esi mamahu, degavoa. Et il avait une hauteur de 20 mots, donc tu devrais autoriser que 20 mots, pas plus d'etnan. D'où je sais ça?
תתנן חמש המלטראות של מילה היו על גבה וזו למעלה מזו וזו למעלה מזו. Il y avait cinq amaltera, Shelmila. Shelmila, Rachid dit que c'est un arbre, d'accord? C'est un bois, d'accord? Où là-bas pousse Mila, Milin. Milin, ce sont des afasim. Ça a l'air d'être en laz, gal, comme noix de gal, d'accord? Bon, ça c'est amaltera. Il y en avait cinq, une au-dessus de l'autre et une au-dessus de l'autre. Point. Demande la Gemara, ouais, maïti ufta. Je ne comprends pas. C'est quoi cette question-là? Dilma, kitanyaï, damaltarot, be'ulam. Peut-être que quand on dit qu'il y avait damaltarot dans le Echal, c'est pas dans le Echal, c'est dans le Ulam. D'accord? Marqué Hamesh Amaltarot, je mets Ayu al-Gabab, en haut de la porte. Mais de quoi tu parles? Du Ulam? Parle pas du Echal. Or, Rav, c'est du Echal que Hachamim apprennent selon lui. Répond la Gemara. Dit donc, Kitanya Aï, Damel Tarot, Beulam, Tanya. Répond la Gemara, Waïmer Kushia. C'est quoi cette Kushia-là? Dilma, Tavni Techal, Kitani Tulam. De la même manière qu'il y avait dans le Ulam Damel Tarot, la même chose dans le Echal. D'accord? Tavni, la structure du Echal est comme la structure du Ulam. Alors ici, il y a une question qui s'impose a priori, c'est quoi la question d'Ilma? Depuis quand on pose une question à partir d'un Dilma? Peut-être le Echal, c'est comme le Ulam, dans la même manière qu'il y avait dans le Ulam, la même chose il y a dans le Echal, peut-être oui, peut-être non. D'accord? Quand Yirel Agmaral pense, c'est difficile de dire non. D'accord? Mais c'est aber de dire qu'il y avait dans le Echal comme dans le Ulam. Excuse-moi, quelqu'un entend Manu? Moi, oui, je l'entendais jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est fini. Ah, okay, allô, bon. C'est bon là? Oui, très bien, très bien. Mais est-ce que vous entendez? Yes. Très bien. Je sais pas, j'ai eu une déconnexion à un moment donné, je sais pas. Manu, excuse-moi, juste avant de reprendre, là, on est en train de demander pourquoi, malgré avec le Amaltera, qu'on peut mettre le truc plus que 20 amot, que la Corée peut faire plus que 20 amot, et on dit que dans le Ulam, malgré qu'il y avait le Amaltera, alors la porte faisait 20 amot maximum. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Et on essaye de répondre, c'est quoi la différence entre les deux? Voilà, avant d'arriver à la question, puisqu'on n'a même pas fini de poser la question, la Gemara remet en question la question. Ouais. Elle dit, qui t'a dit que c'était dans l'Olam? Peut-être c'est dans l'Echal, peut-être c'est dans l'Olam. Et la Gemara repose, mais ça, c'est pas une question. Et ça, ma fille, il y avait dans l'Olam, il y avait aussi dans l'Echal. D'accord? Voilà où est-ce qu'on s'est arrêté. Si je vois que j'ai beaucoup de soucis au niveau de la connexion, tant pis, hein, j'arrêterai le DAF, on le fera demain et on prendra samedi soir. D'accord? Parce que j'ai peur d'être dérangé plusieurs fois comme ça l'a été il y a quelques secondes. Vas-y, Amos, tu disais. Dis-moi. Alors, j'ai jamais vu qu'une koshia, dohem et ta koshia. Normalement, dohem et ta réponse. Là, la koshia, elle te dit. Monsieur Trochia, peut-être que c'est comme ça, donc tu n'as pas Trochia. Mais ça, ce n'est pas une réponse. Est-ce que c'est considéré comme Tahia, ça? Pourquoi? Parce que dans le Jipad, pose mieux ta non, question. Parce que lui, il a, non, parce que. Là, la Gemara, elle a posé une question. Et après, elle dit, mais non, mais c'est pas Trochia. Peut-être que c'est comme ça, ta bêta écrale, quand tu as bêta écrale. On ne pose pas la question avec un peut-être, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Parce que c'est ce que j'ai fait remarquer tout à l'heure. Ah oui, mais quand vous êtes perroqué, manana. Hein? Vous êtes perroqué, Anna. Non, je n'ai pas fait attention, mais je n'ai pas fait attention. Ouais, j'ai dit le mot Dilma ici, il est bizarre. Oui. Oui, hein? Il est bizarre. Comment tu dis Dilma, t'as venu de Pierre Kakil Mishra? T'as qu'à dire non, et c'est tout. Kanire, la Gemara, elle pense que c'est difficile de dire ça. D'accord? Bien, c'est Dilma, il est lave d'Avra. C'est-à-dire que c'est une réponse,
On l'interprète comme réponse, le Delma? Delma, c'est comme quelque chose de sûr. Ah, ici. Ok. C'est-à-dire, en fait, le RL, ici, est 8 ici. Comme... Ici, ouais, le RL est 8 comme le Oulam. Ouais. Mm. Bien que je crois que le Rambam, il écrit que la Maltalot était que dans le Oulam et pas dans le RL. Bon, je l'ai rien baisé. En tout cas, la Gemara, elle dit ça ici. Bon, alors qu'est-ce que tu veux, la Gemara? La Gemara, maintenant, elle va finir sa question. Alam Amarabil Amarav. Donc, Rav lui-même. Rabbi Ilaha au nom de Rav lui-même. Dalet Afalpish et Enabria. Si la poutre, elle fait 4 tfahim, même si elle n'est pas solide, parce que nous, on a besoin pour la poutre, la Kora du Mavoy, elle fait un tefah, mais il faut qu'elle soit solide pour pouvoir recevoir une moitié de brique. D'accord? Ça exprime sa solidité. Maintenant, si elle est large, dit Rav, Ahidush, une Kula, si elle est large de 4 tfahim, il n'y a pas besoin qu'elle soit solide. Deuxième Kula, si la Kora elle a une ameltera qu'on va définir plus tard, même si elle est au-dessus de 20, moi tu n'as pas besoin d'être mémaït. Donc tu vois bien que Rav, toi-même tu te contredis. D'un côté tu dis on apprend Hakamim, et donc tu penses comme Hakamim, on apprend à partir du Echal, donc 20 mois, bien qu'il y avait ameltera, on n'en a rien à faire. Et toi-même tu dis que quand la poutre elle a une ameltera, même au-delà de 20 mots, c'est autorisé. Donc, Stira de Rav à lui-même, Kushia. Amar Rav Yosef, Amaltera Matnitaï. Mais ce n'est pas Rav. Et Rav Yosef, il dit, ce n'est pas Rav qui a dit ce din-là, là, de Amaltera, Filoboy, Yotel, Messi, Mama, Enosalit, Limaïd. C'est une braïta. Mais là, il n'y a pas une Stira de Rav à lui-même. D'accord. Dilagmara, Man Katanela, qui c'est qui enseigne la braïta? Amar Abaye, Rav Hama, Bredi, Rabab, Ravoua, Katanela. C'est un amora. D'accord. Qui a enseigné cet enseignement-là. Demande à Gmarab Seder, même si c'est un Amora qui a amené cette Braïta-là. Les Olam, tu as toujours une Kushia contre Rav. Une Braïta qui dit qu'Ameltera, si c'est au-dessus de 20 mot, un salir le maït, tu n'as pas besoin de diminuer la Kushia. Amalekha Rav, dal anameacha. D'accord, Rav, il te dit, bon, si je n'ai pas parlé, moi, enlève-moi d'ici. Si je n'ai pas parlé, tu n'as pas une stira entre les braïtotes. La braïta chez nous, elle a dit à Meltera, même au-dessus de 20 mot, tu n'as pas besoin de diminuer. Et la braïta qu'on a vue hier, on a vu hier une braïta qui dit, disait... C'est plus que si 20, il diminue. Que Hachami m'ont dit, ma voix, je suis au gavoir, mais c'est ma maïotel, mais puis trop chez l'écha. Yamet. Voyez, maït. Donc, tu vois bien quand on dit Yotel mi pitroch el echal, a priori la caveat, c'est parce que j'ai appris de pitroch el echal. Donc, le Tana qu'on vient de voir, il pense qu'Amelter, il n'apprend pas du echal. Et selon lui, Nechenami, Ameltera, même au-delà de 20 mot, eh bien, tu n'as pas besoin de diminuer. Mais le Tana qu'on a vu hier, qui apprend de pitroch el echal, même l'Ameltera, il faut diminuer. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit Rav. Si moi, je ne parle pas, mais le nom. Oui, mais est-ce attends, une seconde. Moi, juste, je finis le charlatan et après tu interviens. Ok. Amal et Harav, Dalana Meacha, si je me retire moi de là, retire-moi de là, c'est-à-dire retire mes paroles. Maintenant, tu as mis la Kachiana Adadé, les Braïtot se contredisent-elles pas? Et la Maït Lachlevemal, qu'est-ce que tu vas devoir dire? Tanaï, c'est une maloque Tanaï, le Didi, Nami Tanaï, même selon moi, même une fois que j'ai parlé, Tanaï, et moi je pense. Comme le Tana de la Braïta qu'on a vu hier. Vas-y, Amos. Oui, c'est-à-dire que la Braïta d'hier, c'est parce qu'on ne parlait pas de Amatelta ou je ne sais pas quoi. Amaltera, mais là, on parle d'Amatelta. Amaltera, oui. Oui, Amaltera. Oui, mais c'est vrai, moi. La Braïta, a priori, il a appris Seva Amot à partir. Du Echal, or dans le Echal, il y avait aussi Ameltera, et quand même, tu te restes à 20 mot. Ah, d'accord. Eh bien. Mais Manu, on peut dire aussi que dans le Echal, malgré qu'il y avait la Maltera, il y avait les 20 mot, mais ce n'est pas dit qu'ils ne pouvaient pas faire plus haut. Si, parce que tout au Mekor des 20 mot, c'est de là-bas. Okay. S'il y avait Ameltera, tu peux dire alors même plus que 20 mot. Voilà Rav comment il s'est défendu. Maintenant, la Gemara, elle rapporte Rav Nachman ben Ishaq, qui dit à Rav, si toi tu n'avais pas parlé, on n'aurait pas eu de stira. Ouais, si toi Rav t'as pas parlé, on n'aurait pas eu de stira.
Rav Nachman ben Ishaq Amar, Belorav, Matnaita, Ahdade, Latashian, Latashian. Si Rav, tu n'as pas parlé, les braïtotes entre elles, elles ne sont pas difficiles à résoudre. Les Rabbanan, Kora, Tamamai, Mishumekera, Veaïd et Katane, Yatel, Mipitroche, Lechal, Simana, Bealma. Léolam, quand tu as une Meltera, Filo, les Malamès, les Mamaloïmaët. Pourquoi? Parce que ça tire l'œil. Tout est une question de Heker, je te dirais. Tout est une question de Heker. Ameltera, ça tire l'œil. Alors, c'est bon. Même au-delà de 20 mots, ça tire l'œil. Donc, c'est visible, c'est reconnaissable. Pourquoi on a fait ça? C'est à ma voix, c'est pas le chute à l'abîme, c'est bon. Très bien. Et la Braïta de hier, qu'on a vu hier, qui a dit que Hachamim, ils ont dit. Elle est où la Braïta? En fait, la Maltera, c'est un rappel à dire aux gens, faites attention, vous êtes dans un... C'est ça, le but du la Korah, Bichlal, c'est ça, dit Rav Nachman ben Ishaq. Ma voix, c'est au gavoua, mais c'est ma idiote, mais puis tranché les ratoirs, Rav, tu as compris que c'était un limoud. C'est pas que c'est de là mon limoud. C'est Siman Be'alma, pour que tu ne crois pas que la poutre, il faut que je la mette à 30 amotes, ou à 40, jusqu'à 30 amotes, jusqu'à 40 amotes. Ouais. Siman Be'alma, que tu te rappelles de... que c'était 20 amotes, le Echa, la porte du Echa. C'est pas que c'est là-bas mon limoud. C'est juste un siman pour que tu ne confonds pas, tu ne te trompes pas, pardon, dans les chiorim. Toi, tu as pu croire que l'apôtre, tu peux la mettre à 30 amotes, ou à 15 amotes, ou à 40 amotes, j'en sais rien. Non, siman que tu pour te rappeler, eh bien, pitroche l'Echa. Mais les olam, c'est pas là-bas la source. Toute la raison, c'est pour Heker. Et Hachamim, ils ont été méchaïr jusqu'à 20 amotes pour le Heker. D'accord? Et effectivement, s'il y a une Ameltera, comme ça tire l'œil, il y a Heker même au-delà de 20 amotes. Manu, je vous interromps deux secondes. Vas-y. Je vous interromps deux secondes. J'ai trouvé le Dedapim. J'ai trouvé en haut du Daf Gimel, ça parle effectivement de Ameltera. Mais après, je ne sais pas exactement où vous êtes. On va Veravna. Une vingtaine de lignes à partir du haut, quoi. 15-20 lignes. C'est Rav Nachman ben Ishaq. Dav Gimel. Ouais, on n'a pas changé. Ouais. Et une trentaine, tu me dis qu'il y a une trentaine Quinzaine de lignes. Ok, j'y retourne. Alors, Rav Nachman ben Ishaq, Aniha, il ose virer les Adéraba. Et là, ils sont allés à des rabats, des marabats, actifs les manies d'autres, c'est même qui va sous côté au chef, qui a des simamas, d'un yodéa chez Darbesuka, les malas, mais simamas, un adam yodéa, michoum, de l'oche à tabéaina, alma, gabesuka, nami, bekera, pligé, et flou, gabetarte, la malo, ou la mali, ouais. Alors, la Gemara pose la question suivante. Rav Nachman ben Ishaq, finalement, il nous a expliqué que la mahloque est entre Rabbi Yehuda et Hachamim, c'est une histoire de Heker. D'accord, ça veut dire jusqu'à 20 mots, il y a Heker, au-delà, il n'y a pas. Et Rabbi Yehuda, il s'en fiche, on dirait. D'accord. La Gemara demande, Rav Nachman, si c'est ça la mahloket qui est entre Hachamim et Rabbi Yehuda, alors j'ai peut-être une question contre toi. Pourquoi? Vous savez qu'il y a une mahloket au début de Maseret Souka. Quelle est la raison pourquoi la Souka, au-delà de 20 mots, elle est psoula? Rabbi Yehuda marche, mais Hachamim dit psoul. Quelle est la raison? La Gemara là-bas rapporte trois raisons. Il y a une quatrième raison qui n'est pas très clairement citée dans la Gemara, dans la Moucheni, là-bas, dans la Veda Moucheni, que Tosfot explique Mishum Loul Sheltanegolim. Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, la première raison qui est rapportée là-bas, c'est celle de Rabba. Rabba, il dit, c'est marqué dans l'Allemagne, il dit, qui passe au côté au chef qui est béni Israël. Et il est d'Olej, le passeur de la manière suivante, de telle sorte que quand tu rentres dans la Souka, il faut que tu aies un savoir que tu es dans la Souka. D'accord? Il faut que tu saches que tu es dans la Souka. Et lorsque tu as un srar, quand on dit souka égale srar, quand tu as un srar qui est au-delà de 20 mots, l'eau shelta berina, l'œil n'a pas prise là-dessus. Et s'il n'a pas prise là-dessus, donc, tu ne vois pas. Tu ne vois pas le srar et donc ça ne marche pas. Et Rabbi Yehuda dit ça marche, ça marche. Alors dit la Gemara, c'est vrai qu'il y a d'autres raisons là-bas. Hein. Il y en a qui dit qu'il faut celle souka et pas celle fanot. Il y en a un autre qui dit qu'il faut que ce soit araï, arava. D'accord.
Maintenant, la Gemara dit, si Rav Nachman ben Ishaq tient le ta'am de Rabba, ça va sortir qu'il y a deux mahlokhet qui sont identiques. Là, chez nous, au sujet du Mavoy, la Korah, que ce soit la Hakim, selon Hakim Odad Vahamot, il n'y a pas de Heker, selon Rabbi Yehuda, oui. Et dans Souka, la même chose. Selon Hachamim, il y a Heker au-delà de 20 mots. Il n'y a pas d'Heker, pardon, au-delà de 20 mots. Et selon Abuda, oui. Donc, ça veut dire, la question de la Gemara est la suivante. Si Rav Nachman ben Ishaq pense comme Rabba, deux mahloket identiques, la malho. Pourquoi ils font deux mêmes mahloket? Bien sûr, la Gemara peut répondre, ben, il ne pense pas comme Rabba, c'est tout. Mais elle ne cherche pas à faire en sorte qu'elle pense, il pense pas comme lui. De faire deux mahlokot qui sont exactement pareils. Ça nous arrange mieux. Hein? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est difficile de faire la même chose pour. Appelle-le ces deux anonymes différents, mais le sens de la logique, c'est pareil. Donc, c'est pas la peine de répéter, quoi. Très bien. Donc, dit la Gemara, Rav Nachman ben Ishaq, il osvira le ad Rabba. Si ça va bien, si maintenant il ne tient pas comme Rabba. Et là, il suivra les Rabba, mais si tient comme Rabba, il y a Mar Rabba, active les manies d'autres. Rabba a dit, c'est écrit dans la Torah les manies d'autres qui va sous côte au Shafti. Pour que sachent vos générations que je les ai installées dans des sous-côtes. D'accord? Ad, Aïsri, Mamar, Adam, Yoda, Shidal, Besouka. Jusqu'à 20 mois, l'homme sait qu'il est dans une souka. Les malamais, c'est Maman, Adam, Yoda, Mishum, Deloche, Adabaina. Au-delà de 20 mois, il ne sait pas parce que l'œil n'a pas une prise en prise là-dessus. Alma, Gabé Souka, Nami, Bekel applique. Donc la Mahlok dans Souka aussi, elle est par rapport à Ekera. Donc demande à Gmara, Eplug, Ebetalte, Lamali. Pourquoi deux Mahlok est identique? Répond la Gmara, si j'ai besoin. Pourquoi? Adéyash, Moïnan, Gabé Souka, si j'avais enseigné dans Souka, j'aurais dit, Béa, Kama, Rabi Uda, Kiwan, Del Shiva, Avida, Shalta, Béaina. J'aurais dit que dans Souka, Rabi Uda, ouais, il dit que ça marche. Pourquoi? Parce que la souka, c'est pour s'asseoir, non? D'accord? On s'assoit dans la souka. Qui bat soukot au shafti. Et la Gemara, elle est d'orest ici. Au shafti, c'est toi, tu dois savoir que tu es assis. Comme Rachid dit dans ma sœur souka au début. Ouais? Que tu es dans souka. Alors, la souka, c'est fait pour que tu t'assoies. Mais quand tu t'assois, tu envoies ta tête un peu partout. Ton regard, il se porte un peu partout, même au-delà, même en haut. Donc, j'aurais dit que la Biouda, il est marché. Pour quelle raison? Parce que tu vois finalement le srar. Parce que quand tu es assis, parfois tu fais comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on ne marche pas comme ça. Mais bon, dans la soukha, pas forcément on marche. On est aussi assis. Donc, si c'est comme ça, j'aurais dit que la Biouda, il est marché dans la soukha au-delà de 20, 30 amot. Pourquoi? Parce que tu vois, yesh et ker. Les hachamim ne sont pas d'accord. Kanire, ok, c'est pas la stature normale d'une personne qui a fait comme ça, d'accord? Ok, mais Rabbi Yehuda, il est marché le mitamze. Par contre, dans le Mavoy, j'aurais dit que le Mavoy, c'est pas fait pour s'asseoir, c'est on marche là-bas. On marche pas la tête en l'air. Et donc, au-delà de 40 à 80 amot, Rabbi Yehuda, il aurait dit que ça marche pas. Donc, j'ai besoin de t'enseigner que Rabbi Yehuda, il dit, même dans Mavoy, ça marche au-delà de 20 amot. Et si j'avais enseigné dans Mavoy, j'aurais dit, dans Mavoy, Hachamim, ils sont d'accord que. Et ils pensent qu'il faut. Ça, c'est si j'avais enseigné dans Souka. Maintenant, à l'envers, si j'avais enseigné leur marque dans Mavoy, d'accord? Ça aurait rien changé pour Souka. J'aurais fait le contraire. J'aurais dit, Hachamim, ils te disent, Mavoy, il faut 20 mots, pas plus. Parce qu'un homme, il marche dans un Mavoy, il n'est pas assis. Mais dans Souka, qu'un homme, il s'assoit dans la Souka, il serait d'accord avec Rabbi Yehuda. D'accord, voilà ce que la Gemara dit. Puisque la souka s'est fait pour que ce soit là-bas, alors l'œil a une emprise là sur le schar. Mais le mavoy qui fait pour qu'on marche, j'aurais dit, il serait d'accord avec la banane, qu'il ne faut pas plus que 20. Si j'avais enseigné mavoy, j'aurais dit que dans ce cas-là, dans mavoy, la banane y pense. Que 20, pas plus. À Valbehar, mais dans ce cas, et ma modèle Rabbi Yehuda. Comme on est assis là-bas, j'aurais pu croire qu'il était d'accord avec Rabbi Yehuda. Sricha, poids. Très bien.
Tosfot, Rav Nachman ben Yitzhak, Isvira le de Rabba. Pourquoi tu poses la question à partir de Rav Nachman ben Yitzhak et pas à partir de Rabba lui-même? Le Rabba Goufé, Awe Masé de Mifrach, de Itle Bepirkin, de Korah Mishumekera. Rabba lui-même, il pense que la Korah, elle est faite pour Heker. Parce qu'on verra, est-ce que la Korah, c'est Heker ou c'est Mechisa? Donc Rabba, il pense que la Korah, elle est Hekera. Ah, elle est Hekera. Alors j'ai une couchia. Pourquoi on a une mahloket ici et une mahloket aussi dans Souka, sur le Shitatra. D'accord? Alors pourquoi la Gemara a posé la question à partir de Rav Nachman ben Yitzhak? Réponse. Et la Mishum de Rav Nachman me farej be'adja de pligi be'eker. Parich lama leo le pligi be'eker. Rav Nachman ben Yitzhak, clair, il a dit que la mahloket entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, c'est sur Eker. Rabba, il pense que c'est Eker. Il n'est pas rentré dans la mahloket Rabbi Yehuda Hakamim. Mais Rabbi Nachman ben Yitzhak, il a dit que la mahloket, c'est Ekera. Ah, c'est Ekera. Alors pourquoi dans ce cas aussi, là-bas, c'est Ekera? D'accord? C'est pour ça que la Gemara, elle a présenté la Koucha de cette manière-là et pas sur le bas. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va essayer d'expliquer c'est quoi Amaltera. Mai Amaltera. Emmanuel, tu es avec nous? Moi, oui. Emmanuel marche, mais je ne sais pas si c'est où est-ce qu'on est. Bon, dernière petite ligne de. Des petites lignes. Voilà, dernière petite ligne en fait. Mai Amaltera. La Gemara a dit c'est quoi Amaltera? Rav Hama Bredirava Barabua Amaltera. Kine. Soit Kine, ce sont des, comme il dit le chir, Kine, Kigon. Je suis avec vous, mais je coupe le micro quand je suis dans le texte. C'est pour ça que je ne vous ai pas répondu. Ah, donc tu suis, d'accord. Je suis, mais en même temps, ce n'est pas facile de revenir et de repartir. Bon, c'est bon, je vous écoute. Je vous écoute. C'est bon. Rachid dit que min kiner ofot ayu bolkin mechomat ha'ulam lemala min apeta. Il y avait comme des sortes de nids d'oiseaux. D'accord. Des nids d'oiseaux. Comme des sortes de nids d'oiseaux. D'accord? Est-ce que c'est en image ou est-ce que c'était vraiment en 3D? On peut discuter là-dessus. D'accord? Mais en tout cas, c'est ça le point. Et c'est quelque chose qui est hachouv, qui est. Comment on dit? Comme la Gemara va dire par la suite, ça a une certaine importance. On y va. Kine, Kiata Rav Jimi Amar, Amre Bemarva. Pasqué de Arza. C'est quoi Amaltera? Selon les Israéliens, c'est Pasqué de Arza. Des barres de Erez. D'accord? Comme on a dit Rachid en haut, c'est Mistama, quand Rachid a dit en haut, Shel Mila, Aeshek de Limbo Milin, c'est ça, c'est la même chose. D'accord? Le Erez, Mila aussi, c'est un type de Erez, Kanere. Donc, Pasqué de Arza, des bois de Erez. Alors là, pour que vous compreniez de quoi on parle, il y a une photo. Attendez, je ne sais pas si c'est la photo. Elle n'est pas top ici. Quelle page, Manu? Ouais, mais on ne voit pas grand-chose. Et peut-être. Moi, je trouve qu'un nid d'oiseau, ça fait pas un gros rappel, hein, mais bon, après. Ouais, mais bon, ça, c'est. Je ne sais pas, est-ce que Nishtanois, tu rimes? Je ne sais pas. Non, mais c'est comme si tu faisais un panneau clignotant. Là, il y a un panneau de. Bon. Dans le Echal, je ne sais pas si vous voyez là, dans le Echal, c'était comme ça. Vous voyez dans le Echal, là? Ouais, ouais. Voilà, les barres qui sont là. Ouais, ça, c'est dans le Echal, au-dessus des portes. Ça, c'est dans le Echal. Maintenant. Moi, j'ai vu une photo. Ouais, non, c'est pas tout ça. J'ai vu une autre photo. T'as vu celui-là? C'est quoi ça? Ouais, c'est ce que je viens de voir. C'est ce que je viens de te montrer. D'accord. Maintenant, il y a des photos. Donc, il y a des bouts de bois qui sont comme ça dans la longueur. C'est long comme ça, dans la longueur du mavoy. Et tu as la poutre en haut. Le fait qu'il y ait. Dans ce cas-là, quand la poutre, elle est à 30 amotes, d'accord, comme la Amaltera, c'est. Ça appelle l'œil, on verra pourquoi par la suite, d'accord?
Alors, du coup, tu élèves, donc tu vois aussi l'apôtre, la Coran qui se trouve en haut. D'accord? Toi. Donc, la Gemara a donné donc deux biurim, c'est quoi, Meltera? Un, kiné, des formes d'oiseaux, est-ce que c'est en 3D ou bien c'est dessiné? On peut expliquer des deux manières. De la chie, c'est machma, c'est en 3D. Même de la Ben Hananel, comme ça on dirait. Qui a ta Rav Jimmy, Amar et Rav Jimmy dit autrement, les Israéliens disent c'est des barres de Erez. Mande Amar, Piske d'Arza, Kolchiken Kine. Celui qui dit que Piske d'Arza, ça tire l'œil, Kolchiken Kine. Pourquoi? Rashi dit de Aide de Hashive. Parce que les Kinim, c'est Hashuv, au milta de Tmiaï. C'est quelque chose d'étonnant. Oh, les Kinim. Mistak le Beounche, le Hazur Kora. Donc les gens voient, et donc, ils voient en même temps. La Korah. Par contre, à l'envers, Manda Val Piske, Manda Mar Kine, Aval Piske d'Arza, l'eau. Celui qui dit Kine, ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est Miha, qui appelle l'œil, d'accord, Maché Enken, les bois, les barres de cèdre. Alors, demande à Gmara, Manda Mar Piske d'Arza, Maïtama, c'est quoi leur particularité? Et pour la Gmara, Mishum Denafish Mashre. C'est parce qu'ils ont une longueur particulière. C'est long. Demande à Gmara, oui, Asuka, d'une affiche, Mashre, oui, Kamre, la banane, de là. Mais l'Asuka, elle est bien large, elle peut être bien large. D'accord? Et pourtant, Hachamim disent que l'œil n'a pas une prise là-dessus. D'accord? Oui, Kamre, la banane, de là. À la Gmara, elle change. Et la Kiwan, de Kahashiv, it le Kala. Comme le bois de cèdre est hachou, est important, alors il y a un col. D'accord? Bon, la question qu'on peut se poser, mais le col, combien? Ouais. Col, première fois, deuxième fois, kama. Bon. En plus, on s'y habitue, hein? C'est notre bavoy à nous, on s'habitue, et donc ça devient de la routine après. Je sais pas, peut-être que Mfarchim, il parle là-dessus. En tout cas, hein, comme il y a un col, donc il y a une. Il y a une voix qui sort, une rumeur, et donc ça tire l'œil. Mais la lame kanire, si on garde ce qu'on a dit avant, que kiné, c'est davar tamua. C'est encore, c'est mieux, d'accord? Point. Fin de la sougia. Maintenant, on va commencer. Bizarre, vraiment, que le itlekala, ça va changer grand-chose. Moi, je comprends que ça peut changer, mais les premières fois, la question que je me pose. C'est bon, au bout d'un certain temps. Ah, on s'habitue après. Ah oui. Cette question, même pour Kinim, on peut la poser. Bon, Hakamim, ils ont vu que non, je ne sais pas. Donc, on leur fait confiance. Très bien. Miksat, Kora, Betoch, Aislim. Alors là, on rentre dans une nouvelle sugya. Alors, cette sugya-là, elle va avoir au départ deux léchonotes. On va faire un premier lachon maintenant, et puis après, on va faire un deuxième lachon, le contraire. Et puis après, on va voir un psa talacha. D'accord? Et après, on rentrera dans une nouvelle sugya. Alors, on y va. Ben attaché. Miksat kora betoch aïsrim ou miksat kora lemala me aïsrim. La poutre, elle est en partie en dessous de 20 amot et en partie au-dessus de 20 amot. De même, le cas d'une souka où la moitié, on va dire une moitié, une partie de la souka, de l'épaisseur de la souka se trouve dans les 20 amot et une partie se trouve au-dessus de 20 amot. Mirsat souka, mirsat skar betorhatim ou mirsat skar le malamessim. Ça, c'est les cas. La question est de savoir est-ce que c'est cachère ou pas. Alors, Amar Rabba, premier lachon le suivant. Amar Rabba, Bemavoy, Kacher, Besuka, Pasoul. Rabba dit, il y a une différence entre Mavoy et Souka. Mavoy, c'est cachère, et Souka, c'est Pasoul. Alors, avant de continuer, d'accord, il y a un point important dans cette sugya-là. Cette sugya-là, on peut l'expliquer
au moins de deux manières, comme Tosfot ils vont dire. Mais Tosfot, il s'intéresse dans ces deux manières-là qu'au niveau du psak kanire, mais pas au niveau de la shakla vetal et de la gmara. Nous, on va essayer, Bezat Hashem, ces deux manières-là qu'on va dire, dans Tosfot, dans Souka, de voir comment dans la shakla vetal et de la gmara, ça marche. Même si on ne répond pas aux questions, au moins on soulèvera les questions. C'est quoi les deux cas possibles ? Au niveau de Srar, c'est quoi les deux cas possibles ? On a dit qu'on a une partie du Srar en dessous de 20 mot et une partie du Srar au-dessus de 20 mot. Il y a deux cas possibles. Ou bien, vous savez qu'une souka, il faut que si la ta meruba me hamata, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil pour qu'elle soit kshela. Ou bien le Srar du dessus et du dessous associés ensemble, Yassidata Meruba Mehamata, mais si j'enlève le dessus, je garde que ce qui est dans les 20 mots, c'est Hamata Meruba Mesilata. D'accord ? Ou bien on parle de ce cas-là. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, et c'est de ça qu'on parle dans la Sugya, on a jusqu'à 20 mots du Srar. D'accord ? Mais il y a le Srar. Jusqu'à 20 mot est suffisant pour obtenir silata meruba mehamata. Et au-delà de ce srachra, il y a encore du srar, d'accord, qui est au-delà de ces 20 mot. D'accord. Peut-être dans cette sugya-là, on parle de ça. Prenez la nuance entre les deux. C'est que, ou bien, pour obtenir silata meruba mehamata, j'ai besoin du srar qui est au-dessus de 20 mot et celui qui est en dessous. Premier derer. Deuxième derer. Non. Le skrar qui est en dessous de 20 mot me suffit pour obtenir Siyata Meruba Mehamata. Mais j'ai un skrar au-dessus. D'accord ? Voilà les deux drachim. Alors, ben, ces deux drachim-là, Tosfot, ils vont les présenter, ils vont le dire, ils vont les donner, ces deux drachim-là. Maintenant, nous, dans notre démarche dans l'Agmara, on va lire l'Agmara et on va essayer de voir selon ce drachim-là comment ça marche et selon ce drachim-là comment ça marche. J'avance. Amar Abba, Bemavoy, Kacher, Besuka, Pasou. Alors, bien sûr, la question de la Gemara va être et pourquoi tu fais une différence ? Question Pshuta. Moi, la Gemara, Maïchna, Bemavoy, de Kacher. Pourquoi tu veux dire que Mavoy, c'est Kacher ? Parce que tu dis la partie qui est au-dessus de 20 mot, la poutre qui est au-dessus de 20 mot, la partie de la poutre, ouais. Eh bien, quitte. Coupe-la. Enlève-la. Tu as une partie qui est en dessous de 20 mot. Eh bien, c'est très bien. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, demande à Gmala si c'est comme ça. Souka nami, les ma kalouche. Alors, même dans Souka, dit kalouche. Ouais. Enlève la partie qui est au-dessus. Et garde la partie du dessous. Alors, dit la Gmala, dit kalasht. Ah oui, Allah, hamata meruba misilata. Mais si tu enlèves la partie du dessus, ouais. Dans la souka, la partie du dessous, c'est Hamata Meruba Misilata. Donc ça, selon le derech, que j'ai dit que j'ai besoin de la partie du dessous. Donc on va expliquer comme ça. On va dire le derech de Ri et le derech de Tosfot. D'accord ? Le derech de Ri, la Benou Ishak Bala Tosfot, c'est que le srar d'en dessous, de 20 mot, il y a tout ce qu'il faut. Il y a Silata Meruba Mahamata. Et selon le derech de Tosfot, il n'y a pas. J'ai besoin du srar du dessus. D'accord ? Pour ne pas être long, je dirais le derer de Ri et le derer de Tosfot. Donc, selon le derer de Ri, on ne comprend pas la Gemara chez nous. Iqalash, ta'yala, hamata, meruba, misilata. Donc, ça veut dire que si j'enlève le srar du dessus, ouais, je n'ai pas ce qu'il faut en dessous. Or, Ri a dit, oui, j'ai. Donc, ça marche comme le pshat de Tosfot. Alors, sur ça, Ri répond. Ouais, et dit, oui, mais comme il n'y a que le srar du dessous, il n'y a pas le srar du dessus qui l'alourdit, le vent, il peut le balayer. Donc, ça ne serait pas saoul. Mais c'est à ma dès à présent, comme on a vu par ailleurs des cas qui ressemblent à ça. Des légumes, comme ils vont s'assécher, alors c'est un mauvais srar. Dès à présent, ce n'est pas bon. La même chose ici aussi. Je continue. Là, je vous ai dit qu'il y a une koucha contre Ri. Ri se défend, mais on verra que parfois, il y aura une koucha sur Tosfot. D'accord ? Je continue la Gemara. Donc, « Iqalasht ayala hamata meruba misilata » Là aussi dans la poutre, si tu enlèves la partie du dessus de 20 mot, ta poutre elle devient trop fine, le vent il la balaye. Alors moi j'ai besoin d'une poutre solide.
Agave, c'est une ala contre riz. Parce qu'ici, la Gemara l'a dit à Nitel Belouah, elle a su le dire que le vent balaye. Et oh, la Gemara, elle ne sait pas le dire. Ok? Ça, c'est une ala contre riz. Et là, dit la Gemara, Al-Korhech, comme tu es marchir dans la poutre, Al-Korhech na'asu ke shipodim shel matechet. Ça veut dire, c'est vrai que j'ai kalasht, mais finalement, finalement, le bois, il est bien là. Donc, ça s'appelle comme si j'ai un piqué en fer très dur et que ça marche. C'est très solide. D'accord ? Donc, la partie du bas de 20 mètres au niveau de la poutre, je considère comme si c'est un morceau de fer. D'accord ? Hanami, dit l'agmala, Nasu, keshipodim shematechet. Dit l'agmala, si tu dis comme ça au niveau de la poutre, de la kora, on ne dit pas vraiment kalasht, on ne dit pas ma kalasht, on n'en met pas, il est là finalement, il est là. D'accord ? Bon, ça c'est un peu dur par rapport au pirouche de Tosfot. D'accord ? Parce que dans la Messiout, il y a bien Silatam Ruba Mechamata. D'accord ? Seulement il kalasht, mais s'il kalasht, il n'est plus là. On ne dit pas qu'il n'est plus là. C'est une vie. Je considère comme s'il n'est pas là. Pour te dire que tu es toujours dans les 20 amotes. D'accord ? Mais là, l'âme, il est là. Bémet, il est là. Et donc, ça engendre un silatam le mahamata. Amar ava mi parzakia. Donc, maintenant, comment on fait ? Comment on comprend le psak de Rabba ? La Gemara va donner deux explications. Une explication de Rava Miparzakia et l'autre de Ravina. On y va. Amar Rava Miparzakia Sukkah del Yahidi Lometkar. Sukkah, c'est chaque particulier, il a sa Sukkah. Alors, Lometkar, c'est quoi Lometkar ? L'homme ne va pas se rappeler. Alors, c'est quoi le problème ? Explique Rashi. Parfois, le Srar qui est dans les 20 modes, c'est lui qui va s'en aller. Regardez Rashi, dernière petite ligne dans les Rashi. Vezimnin de mishtaqil miqsat ovi askar anichnas etoch esrim vekem akula lemala meesrim. Et tout le srar va être au-delà de 20 mots. Si tu ne t'es pas rendu compte, parce que tu es un yahid. D'accord ? Donc c'est pourquoi Rabba, il a été mahmir dans ce cas. Par contre, Mavoy del Rabbim, Mavoy que ça concerne le public, tous les gens, tous les maisons, tous les haserot, oui, eh bien, Matkere Adade. Si maintenant la partie basse de la poutre, elle pourrit, ouais, eh bien, et donc tout est au-delà de 20 mot, ouais, eh bien, Matkere Adade, ils vont rappeler l'un l'autre. D'accord ? Et donc, c'est pourquoi c'est kasher. Voilà la réponse, l'explication de Rava Miparzak pour expliquer le psak de Rabba. Ravina, il propose autre chose. Ravina, amal sukkah de oreita. Comme la sukkah, c'est un djinn de oreita. Ahmir ou barabanan. Hachamim ou était mahmir. Mavoy de rabanan. Le ahmir ou barabanan. D'accord, donc j'ai peur, Souka, j'ai peur. Donc si le schar d'en dessous, il s'enlève, comme c'est un djinn de l'Oraïta, je suis mahmir. Mais ma voy, comme c'est un djinn de la banane, je ne crains pas, voilà pourquoi je suis merkel. Voilà le premier lachon de Rabba. Maintenant, on va voir un deuxième lachon. Ravada bar matna matnela le hashmata de Rabba, ipra. Ravada bar matna, il enseigne le psak de Rabba à l'envers. Comment ? Amar Rabba Bemavoy Pasoul Besuka Kshera. Souka il est souple et Mavoy il est Mahmir. Alors bien sûr, la Gemara elle revient. Elle essaie de comprendre pourquoi la différence. Maïshna Souka de Kshera. Pourquoi Souka tu es Marchir De Amrinan Kalush. Donc comme on a dit en haut. D'accord. De Amrinan Kalush. Selon le pshat de Ri, on considère comme si le srap qui est au-dessus de 20 mot, il n'est pas là, et le srap qui est en dessous de 20 mot, c'est ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de problème. Selon le deuxième pirouche, celui de Tosfot, d'accord, Talouche, c'est un peu difficile.
Si tu dis Kalouj, donc tu es en train d'enlever le srar de, au-dessus de 20 mots, puis si c'est comme ça, tu n'as plus. Si la tamiruba mehamata. D'accord. Donc il faut arranger selon le pshat de Tosfot, il faut arranger la Gemara. Donc dit la Tosfot, dit la Gemara, pardon, maïshna souka dikshira d'amin kalouj, mais ma voix n'a mis les mains kalouj. Et même dans ma voix, alors t'as qu'à dire kalouj. Pourquoi tu dis que c'est pas soul dans ma voix? La Gemara dit, mais si tu fais kalouj dans la poutre elle s'envole, c'est pas caché. La Gemara a khanami, kalash abiyada hamata merba misilata. Là aussi, si tu kalash, tu vas vraiment, si vraiment kalash, alors tu auras hamata merba misilata. Et là, alcool khayak, na sit silata merba mehamata. Seulement, tu es obligé de dire, mais sauf, elle a silata merba mehamata. Là aussi, je vais te dire que même si tu dis kalash, bah, finalement, c'est du solide qu'il y a ici. Donc, c'est comme des piquets en fer. Alors, comment j'explique le psar de là-bas, que je ne comprends pas pourquoi dans ma voix il est mahmir et dans ce cas il est mekhet. De nouveau, Rava Miparzakia et Ravina, chacun va te proposer une idée. Rava mi parzakia suka, amar Rava mi parzakia suka del yahidi, rami anabshe, omitkar. Donc Rava mi parzakia répond. Suka, c'est yahid. Ouais. C'est-à-dire, c'est un sujet qui concerne le particulier. Donc rami anabshe, omitkar. Il sait qu'il est seul responsable, donc il va faire attention. D'accord, Rabbi Anafché, il se jette sur lui-même, c'est-à-dire il prend la responsabilité sur lui-même et il fera attention. Il va se rappeler de savoir si la souka, elle est toujours bien comme il faut dans les 20 amot. Il y a ce qu'il faut. Il y a le srar qui est dans les 20 amot, comme il se doit. Mavoy de Rabbi Mi Samkhe Adade Velomatkere. Mavoy, qui elle, c'est un dossier du public. Alors, chacun se jette la responsabilité. Vous savez, quand on est plusieurs, on dit lui fera, mais pas toi. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il se peut que la poutre, finalement, elle est pourrie dans les 20 mottes. Et la partie du au-dessus de 20 mottes, elle est là, mais au-dessus de 20 mottes, ça ne marche pas. Répond la Gemara, c'est un peu dur quand même hein, de dire qu'une poutre pourrie comme ça. Ça m'a paru un petit peu difficile, cette idée-là. Bon, en tout cas, c'est comme ça que Rashi l'a expliqué. Dit la Gemara, comme il y a un dicton populaire qui est le suivant. De amreinche kdera de beshutafe lahmima vela krira. Les gens disent une marmite qui appartient à des associés, elle est ni chaude ni froide. Quand t'as envie de la chauffer, mon ami va la chauffer. T'as envie de la refroidir, jamais dans de l'eau, mon ami va la refroidir. D'accord ? On se décharge pour charger autrui. C'est comme ça. Donc, elle est ni chaude ni froide, la marmite. Point. Ça, c'est l'explication de Rava Miparzakia. Ravina Amar Suka de Oreika. J'ai pas compris. C'est-à-dire quoi, ni chaude ni froide? Si on veut la chauffer, oui. On doit la chauffer, cette marmite-là. Chacun va dire, mon ami va la faire. Ah, c'est pas les autres. Ah, moi, super. Moi, je pensais. Ni chaude ni froide. Tu veux la chauffer, l'autre le dit non, je la veux froide. L'autre le dit je la veux froide, dit non, ouais, je vais la chauffer. Ce que tu dis, ça ne marche pas parce que quel rapport avec le Mavoy? Le Mavoy, chacun se décharge. Ah oui. Il compte tout sur les autres, quoi, en gros. Comme ça, il dit Marcha. Ravina Amar, Souka de Oraita, Laba et Hizouk. Mavoy de la banane, bae hizou. Souka, c'est Minatora, pas besoin de renforcer. C'est-à-dire, t'es dans les 20 mottes, t'as du score dans les 20 mottes, c'est bon, ça passe. Mavoy, t'es dans les 20 mottes, bien qu'il y ait une partie au-dessus et une partie en dessous. Non, ça passe pas. D'accord? Pourquoi? Dvarim shel hakamim, bae hizou. Ils ont besoin de hizou. C'est toujours pour la même raison, peut-être ça pourrit. Mais on est hoshesh, et on est hoshesh. On est plus strict, sévère au niveau des dinim de la banane. Point. Parce que la souka, les gens ils vont faire attention, parce que c'est de Oraïta. Mais dans ma boy, si ça dépasse les 20 amot, ça, ils ne vont pas laisser faire. Très juste.
Ah, dans ma voix. Encore une fois, tu as dit quoi dans ma voix? Oui, dans ma voix, ici, le SCAR, il va dépasser les 20 mottes. Ça, ils ne vont pas laisser faire. Ils vont faire. Pas Dans ma le. voix, le srar, la poutre. Ouais, la poutre, pardon. Au contraire, ils vont délaisser le djinn de la banane et c'est pourquoi on a été strict. Oui, voilà, d'accord. C'est pour ça que dans mes ma... Très bien. Alors d'abord, je fais le dernier petit osphote là du Hamoud. Amar Rabba pe ma voy pasoul. On est dans le deuxième lachon là. On a dit ma voy c'est pasoul. Dis osphote, attention, lo galsinan rav. On n'est pas goles ici, rav. De rav yalif mi ptchosh el echal. Parce que rav, lui, il apprend du pétah echal. Or, si c'est pétah echal, dawe halalo aisrim. D'accord? Lui, il pense le halal, il faut qu'il y ait. Il faut, si on a un halal de l'escrime, ça marche encore. Or, ici, la poutre, elle descend dans les vins, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, ma voix, ça doit être cachère selon ça. Donc, on ne faut pas être goresse là, il faut être goresse rabba. Très bien. Maintenant, le tosot ikalasht. Ouais. À ne pas confondre avec les kalachnikov, hein, attention. Ikalasht. Awelam hamata merova misilata. Donc, la Gemara a dit, si tu enlèves la partie du dessus, alors tu vas obtenir avec la partie du dessous uniquement hamata merova misilata. Qu'on a expliqué de deux manières, n'est-ce pas? Non, la manière pshuta, c'est quoi? C'est que mamash, quand tu enlèves, il n'y a que Hamata Melba Misilata. Pour obtenir Silata Melba Hata, il faut les deux couches. La couche d'en dessous de 20 mot et la couche du dessus de 20 mot. Ça, c'est le Pshat Pashut de la Gemara. Alors, dit Tosfot, dit non. Mais Faresh Ri, Ri dit Hamata Merubah Misilata, al yede sheyavo haruach weifazer. De par le fait que le vent va venir et il va éparpiller. Jusqu'à ce qu'on obtienne Hamata. Mais le scar du dessous, il y a ce qu'il faut. Il y a Silata Melbamata. Mais le vent, il va venir et va balayer. Donc il y a une protection, ça veut dire. Et le scar du dessus, il pèse sur le scar du dessous. Et si tu enlèves le scar du dessus, le vent, il vient. Et c'est ça la kavana de la Gemara. Ce n'est pas que maintenant Hamata Melba Misilata. C'est le vent va venir, il va rendre Hamata Melba Misilata. Après, tu peux te poser la question, comme dit tout à l'heure, est-ce que c'est dès à présent que tu dis que ce n'est pas bon ou quand ça va le faire et tu ne vas pas te rendre compte? Ok? Mais ça, alors, c'est... on a déjà vu qu'on peut rendre Passoul dès maintenant, comme on a vu des légumes dans Massarsouka, que quand ça s'assèche, ouais, hop, tout de suite, il n'y a plus ce qu'il faut. Donc, dès à présent, on rend Passoul. Voilà la Kavana de l'île. Vas-y, Amos. Alors, cette toile-là, qui sur la soukka, qu'on a dit, il faut la clochouta. Donc, il servait pas pour le scar de la soukka, ça. C'est juste que ça alourdit, ça alourdit. Et alors, on peut rendre une soukka qui est là avec ça? J'ai un scar et je le mets quelque chose Une seconde. au-dessus. Ouais. Selon Rabat, finalement, on a dit que non, hein. Mais on a donné des raisons. Ura Vina ou Rava Miparzakia. Et pour une autre raison, hein, on a dit pourquoi. Rava Miparzakia, il a dit Souka Deliahidu l'homme et car. C'est-à-dire, tu peux enlever la partie du dessous. C'est-à-dire, en soi, telle quelle, la Souka, elle est huit kshéra normalement. D'accord? La Souka, elle est huit kshéra. Seulement, j'ai peur qu'il y a des hachachotes. Que la partie du dessous elle s'en aille sans que je m'en rende compte et toute la soukha elle est au-dessus de 20 mot. Comme ça, expliqué la va mais pas le zakia selon ce lachon. Donc, dit la Gemara, dehi à l'idée klisha l'houda te hamata merouba. Car si tu expliques comme le pshat pashut de la Gemara que quand j'enlève le scar au-dessus de 20 mot et qu'il me reste que le scar de moins de 20 mot, et ça déjà c'est hamata merouba misilata. Comment ça se fait que Lishna Batra, une souka comme celle-là, il a dit que c'est cachère? Ce n'est pas acceptable. Ah, oui, possible. Pourquoi? Pourquoi? Ah, Enskar Pasoul, puisque le scar est au-dessus de 20 mot, Enskar Pasoul, Mistaref, Bead, Enskar Kacher.
il ne peut pas s'associer à le SCAR qui est au-dessus de Varmod, que de toute façon, ici, considère comme SCAR Passoul. Il ne peut pas s'associer avec le SCAR Kacher, qui est d'Armen Besouka, Gaber Ossé Soukato Tahad Aïlan. Donc, comment c'est que le Lishna Batra, il autorise ça? Quoi? Mais selon moi, tout se faute. Et Eri, et selon toi, ce n'est pas dérangeant. Non, selon moi, j'ai ce qu'il faut. Dans le 20 mode, j'ai ce qu'il faut. On peut poser la question à Harry et on lui dit, mais même toi, tu as un problème. Parce que le SCAR qui est au-dessus de 20 mode, pour toi, c'est un SCAR Passoul. Tu as un SCAR Passoul qui couvre un SCAR Kacher. D'accord? Bon, ça, on peut répondre. D'accord? Regardez ton SCAR dans ma série Tsuka. Il y a aussi un Tosfot là-bas, Daftet Amoucheni, d'accord. Il y a une Mahlok et Tishonim là-dessus. Ou là, ou Dafu Damoudrich, je ne me rappelle plus. Hercheye, c'est la Ta'ana de Ri. Tosfot continue. Et ils disent Verkashia, selon même le Derek de Ri, suivant le Derek de Ri maintenant, il y a une Kushia. Dama Bepele Kama de Souka, Aïta Gvoa Mesri Mama, là-bas, il y a un cas. On a une Souka qui est haute de 20 Amot, mais. Il y a des houssin, yordin, betoch, aesrim, des pics de feuilles, ouais, des feuilles, d'accord, des branches, les houssin de palmier, vous voyez, on appelle ça des houssin, qui descendent dans les 20 amot. Et là-bas, la Gemara dit la chose suivante, écoutez bien. Im si la tabeloba mehamata, si ces houssin là engendrent, d'accord, un rov, de sel, mmh. C'est cachère. Mais pourquoi on pourrait penser que ce ne serait pas cachère? Attends, ben on est tout de suite en train de discuter. Les notougas, c'est ça. Habib, les notougas, c'est ça. Là, les houtsines, ça veut dire qu'il y a des feuilles qui tombent dans les 20 amot. Mmh. Et tu as le reste du srar qui est au-dessus de 20 amot. Mmh. D'accord? Donc, la Gemara dit, s'il y a les houtsines, il a tamé le bain Mahamata Kshera, sinon c'est psoula. Ça se demande. Attends. Le Hamay Kshera. Pourquoi si les Otsin descendent et il y a si la Tamerouba Mahamata c'est cachère, voilà, qui kalacht les, quand tu enlèves le srar du dessus de 20 mot, il pelou à Otsin les mata, les Otsin y tombent. Oui. Les Otsin y tombent. C'est pas les Otsin qui vont tomber, c'est en haut que ça va tomber. Non, si tu enlèves la partie du au-dessus de 20 mot, ah ouais. Les osim, ils vont tomber. Et alors la Gemara chez nous elle dit quoi? Ikalasht awela hamata meruba misilata. Comme tu sois ici, tu as été toi, le vent il vient et il balaye. Là aussi la même chose. Une seconde. Donc ça c'est le Lishna Kama. Lishna Kama. J'ai l'impression que toi, soit tu ne comprennes pas comme Rashi. Parce que de l'Agma, comme on l'a expliqué, finalement, selon Rashi, cette histoire de Ikalash, oui, on ne la retient pas finalement. On ne l'a pas retenue finalement. On ne dit pas Ikalash. C'était au départ une hypothèse, mais on ne l'a pas retenue finalement. On explique le psak de Rabba ou comme Rava, et par Zakia ou comme Ravina. Pourquoi Tosfot, il revient avec cet argument-là, Ikalash, Ipelo, aussi le matin. Comprenez, c'est la question que je suis en train de me poser maintenant. Peut-être que Tosfot comprend que quand la Gemara a dit Souka del Yahid dit l'omatkar, ça veut dire que l'olam on est hoshesh kalasht. Seulement, le Yahid ne fera pas attention. Et si c'est le Mavoy, le Rabbi me fera attention. Bon, faut que je vérifie dans mes farcim s'il y a quelqu'un qui a parlé sur ça. Au Lishnab, donc ça c'est sur le Lishna Kama. D'accord? Au Lishnab Batra Deacha Tishapir. Selon le Lishna Batra,
ça va bien, parce que l'Ishna Batra, qu'est-ce qu'on a dit dans l'Ishna Batra, ce cas de figure-là, Rabba, il a dit que c'est kasher. Rabba, il a dit que c'était kasher. S'il y a ce qu'il faut, si la tam Rabba Mahamata, ouais, il a dit que c'était kasher, donc ce n'est pas un problème. Donc, l'Ishna Batra de Achad Shapir, ou le Rabba Miparzapia, selon le premier Lachon, on dirait, Nami demfalesh mishum de suka de yahidi velom mitkar ati shapir. Selon Rava Mipazak, il y a aussi qui a expliqué que la différence, pourquoi suka c'est pas soul et ma voix c'est kasher, parce que suka de yahidi velom mitkar ati shapir, je peux me défendre. Pourquoi? Degabe aussi nika le memar de yorjin arbe le matadele kale mixamidji. Je peux te dire que les aussi me descendent tellement bas, bien bas, que il y a rien à être gozer, d'accord? Parce que nous, Rashi, donc on dirait que tout ça t'explique comme Rashi, oui. Donc ça veut dire que la couchette tout ça t'es que sur la vamina, d'Agmara. Bizarre, hein? On dirait que la couchette tout ça t'es que sur la vamina, parce que selon la maskana, que ça soit selon Rava Miparzakia, pas selon. Selon Rava Miparzakia, j'ai pas de couchien. Parce que lui, il te dit, je peux me défendre, c'est-à-dire, il n'est pas trop sérieux, je peux me défendre en disant, Léosin, Yodim, Arbel et Matel, donc il n'y a pas de Gozel, que peut-être qu'ils vont partir, ils ne vont pas te rendre compte. Aval et Ravina caché. À moins que ce soit, ils sont en train de dire, selon Ravina. Aval et Ravina caché. Des Mashma, des Mishum, Souka, des Oraita, Psula, Mishum, Ikalasht. Ah! Ouais, ça veut dire, voilà, on voit que selon Tosfot, Ravin a dit que Souka Deoraita, pourquoi c'est interdit? Voilà, la Kushia de Tosfot, depuis le début, c'était par rapport à Ravin, en fait. D'accord? Pourquoi Souka, il est Mahmir Rabba, selon Ravina? Parce que c'est Deoraita. Et alors, c'est quoi le problème? Je suis Mahmir parce que Ikalasht. Parce que si tu enlèves le Souka du dessus, ouais, ce qu'il y a en dessous va tomber. D'accord, comme ça, toi, tu comprends. Il comprend Ravina. D'accord. Et Merashi l'explique comme ça. Ouais, d'accord. Rashi n'a pas expliqué clairement. Rashi n'a pas expliqué clairement. Et, d'accord. Donc, toi, tu comprends. C'est uniquement chez Rava Miparzakia. Il a dit matkar et pas matkar, que on peut expliquer comme on a dit, comme Rashi l'a dit, mais selon Ravina, on reprend l'histoire de Ikalasht. Donc ça veut dire que finalement, je résume qu'est-ce qu'on a dit dans selon Ri, selon le derrière de Ri, Ri dit j'ai une kusha sur la Gemara de Maseret Souka. Quand on a dit que les osim descendent et qu'il y a Silatam Ruba Mahamata rien qu'avec les osim, c'est kasher. Comment c'est possible que c'est kasher? La Kushia, elle n'est pas selon la Lishna Batra, et même selon Lishna Kama, elle n'est pas selon Rava Mipazakia, elle est uniquement selon Ravina, qui dit que Souka, comme c'est de l'état, on est Mahmir, parce qu'on va dire l'idée de Ikalasht. Point. Réponse, Veyesh Shlomar, je réponds à cette question. Je peux te dire que là-bas, quand on dit que c'est kasher, on parlait qu'il y a beaucoup de Hossin qui peuvent tenir, même si tu enlèves l'au-dessus, ils peuvent te lire facilement par un soutien quelconque. D'accord? Le vent, il ne va pas les faire tomber. Non, le vent ne va pas les faire tomber. Et même si tu enlèves le dessus, le vent ne va pas les faire tomber. Exactement. Ça, c'est premier derrière de Tosfot selon lui. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on peut comprendre la Souga de deux manières. Et ça va être le deuxième derrière de Tosfot. Veod nucha lomar, acha, de ishakalt le, awe hamata meruba misyata, le déclicha le houd. Quand la Gemara a dit c'est tu enlèves la partie de dessus des 20 mots, la partie de dessous, il y a Hamata Merwa Misilata. C'est uniquement avec association qu'on a Silata Merwa Mahamata. Au Mistaref, le Skadil Ma'ala Metim, au Lishna Batra, alors selon ça, ça sort comment? Au Lishna Batra, Lo Hashiv Kolkar Skar Pasoul. Comment c'est que. Alors, question, c'était la question de Rion. Comment c'est que Lishna Batra a autorisé ça? Mais ça, c'est pas Skar Pasoul, ça. Parce que le même Skar qui est au-dessus de 20 mots, s'il était en dessous de 20 mots, ce serait un bon Skar. Donc, c'est pas Be'et, c'est Maskar Pasoul. Lo Hashiv, Kokar Skar Pasoul, il va avec Skar Kacher, il va y aller Matamé. Mais,
même selon ce derrière là, on va avoir la couchée de ce cadavre d'Alet. Pourquoi? Aval caché. Dégabé aussi, Namrinan. Oui, il me l'a au pasoul. Dans Osin, on dit là-bas que si la partie des Osin, elle est Hamata, Meruba, Misilata, c'est pasoul. Je comprends pas. Selon nous, pourquoi on n'associe pas ce qui est en dessous avec ce qui est au-dessus? D'accord? Alors, de toute façon, là aussi, ils vont bien développer. Oulishna batra deacha marcherina, afilo hamata meruba misilata. Donc, ce n'est pas une kushia. Selon l'Ishna batra qui dit que ce cas-là, en tout cas, on est marché, et on parle de ce cas-là, que la partie de, en dessous de 20 mot, c'est hamata meruba misilata, c'est uniquement besirouf, ce qu'il y a au-dessus de 20 mot, que yasilata meruba mahavata. Donc, je comprends que au sin, je comprends. Non, je ne comprends pas. On est marchir. Et pourtant, l'Ishna, on est marchir chez nous. Et pourtant, dans ce cas, on est possède. Aval caché, je reprends dans les mots. Aval caché, des gabés aussi n'amrinan. Vimla ou pas sur. L'Ishna batra de akha marchina, filo hamata même visada, kushia. Miu, l'Ishna kama niha. Ça dit, mais selon le premier, la chan, ça marche. D'accord? Je comprends pourquoi. C'est pas bon. Comme il a dit avec la vina, il a dit c'est de oraita. Ahmiru, parce qu'on dit kalasht. D'accord. Et la même chose selon la Rava Miparzakia. Inami, ou bien toutefois tu dis je peux me défendre. Selon le deuxième, la Shon. Inami, gabe aussi, yesh lifsol yoter. Même si chez nous on a été marché, selon le deuxième Lachon, Osin, quand rien que les Osin, c'est Hamata, Meruba, Misilata, il y a plus de raisons de rendre Pasoul. Pourquoi? Yesh, le sol, yoter. O il, ou agodim, alionim, et tartonim. Parce que les alionim et les tartonim, ce qui est en dessous de 20, ce qui est au-dessus de 20, ils sont bien attachés l'un avec l'autre, de tel zébézé, dire kalash, c'est pas la cause. Que si maintenant tu enlèves la partie du haut, c'est sûr que tout tombe. Voilà pourquoi. Par contre, chez nous, non. Chez nous, c'est pas sûr. D'accord? Il y a le scar qui est dans ce devant mode, celui-là il est bien posé, normal. Bon, il est Hamata Melba Misilata, mais ça c'est pas méchant. On peut prendre le scar du dessus de 20 mot pour qu'il s'associe avec lui, ils sont indépendants l'un de l'autre. D'accord, c'est pourquoi ici je peux te dire que c'est caché. Point fin de Tosot. Autrement dit, Tosot, il a fait deux drachim dans la Soudia. Il s'est intéressé uniquement. Comment je m'arrange avec ces deux drachim et la Gemara de Souka d'Afdalet? D'accord? Mais il n'a pas fait la Chakla Vétalia de la Gemara selon ces deux drachim entièrement. Nous, on a essayé plus ou moins, au moins, à poser les questions qu'il y a dans chaque derrière. Point. Voilà la Soukia. Maintenant, la Gemara pose la question, dernière ligne de la Gemara, Mayave Allah. Bon, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Alors, Souka, ma voix, c'est différent. La même chose. Les deux cachers ou les deux pasoul, comment on fait? On vient de répondre. Mayave ala rabba baravola amar zeveze pasoul. Rava amar zeveze cachers. Un dit les deux pasoul et l'autre il dit les deux cachers. Pas comme rabba. Pourquoi? La Gemara explique, Rava il explique pourquoi c'est cacher. Halal sukatnan, halal mavoitnan. Quand on a dit 20 mot, c'est 20 amot de halal. Ça veut dire que la poutre, elle est exactement à 20 amot. Si elle est en dessous de 20 amot un petit peu, c'est bon, il n'y a aucun problème. La même chose, la souka, elle est exactement à 20 amot. C'est bon, au-dessus de 20 amot, ce n'est pas bon. Mais si elle prend un petit peu en dessous de 20 amot ou 20 amot pile, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, c'est pourquoi la vaille est marchée dans les deux cas. Amalé, la papa, les ravatanes de Mzayalach. La papa, il dit, tu sais, il y a une braïta qui t'aide. Ma voix, je suis au gavo à Messi, maman, il y a tellement plus de choses les râles. Il a dit, ma voix, je suis au gavo à Messi, maman, il y a tellement plus de choses les râles. Ma voix qui est haut devant moi. C'est-à-dire, la poutre, elle est haut devant moi. Plus que le pétard du râle, il est maït. Tu vois que le Tana, il a pris comme Siman, même si tu dis Siman, il a pris le pétard du râle. Mais le Echal lui-même, indépendamment de la poutre, le Pétah, il a une hauteur de 20 et la poutre est exactement
à l'issue de ces 20 amotes-là. Donc, dans ce cas-là aussi, le mavo, il est kasher. Donc, je vois bien que c'est halal qu'on a enseigné. Ah. Et donc, la même chose. C'est jusqu'à. Ah, donc là, jusqu'à. Jusqu'à 20, c'est bon. D'accord. Un espace vide jusqu'à 20. Et là, comme dans les deux cas qu'on a cités en haut, là, la poutre ou le srar était en partie en dessous de 20, bien sûr que c'est cachère. Voilà pourquoi Rava, il est marché. Tosfot, halal soukat. Halal soukat nan. Alors, si c'est comme ça, pourquoi la Gemara a eu besoin de dire dans Souka que les Osin tombent dans les 20 amotes, mais même s'ils sont à l'extrémité des 20 amotes, ça marche. Réponse là où d'Avka. Et comme on a dit qu'il y avait un sacro dessus de 20, hein, ouais, alors on a dit aussi les matamesi. D'accord. Betoch esim quoi. Klomar betoch echsher esim. La kavana c'est betoch echsher esim. Le echsher de vin. Et le echsher de vin c'est quoi? Même si c'est l'extrémité de vin, c'est bon. Tania demsay alach. Tosfot. Tania demsay alach. La papa a dit, tu sais, je peux t'aider. La papa dit à la vache, je peux t'aider. À partir d'une baïta. Afagav dechal be'ama bat shisha. Ça demande, mais le Echal, les Amot du Echal, c'est des Amot de Sitfahim. 20 Amot, c'est 20 Amot de chaque Amot de Sitfahim. Ouais, et le Mavoy. Et le Mavoy, c'est quoi son djinn? Alors, on va voir tout de suite dans la Souga qui va suivre. Il y a une discussion. Abaye, au nom de Rav Nachman, il va dire que le Mavoy, c'est Amat Bat Hamisha. Alors que Rava, au nom de Rav Nachman, il va dire que c'est le Mavoy, c'est de Amot de Batisha. Ouais, c'est clair. Alors, Tosfot, ils sont en train de dire, mais selon Abaye, au nom de Rav Nachman, la Hama du Mavoy, c'est Bat Hamisha, et la Hama du Echal, c'est Batisha. D'accord? Comment c'est Tanya Dem Sayalach? Afalgav de Echal be Amat Batisha, Acha Arava Kai. Mais ici, on parle selon Rava. Et Rava pense que même le Mavoy, c'était Amot Batishat Fahim. Donc, comme le Echal, Acha Arava Kai, Deite le Kaman, Deche le Mavoy Nami, Be'amot Batishat. Point. Rafa Gav de En Asubot, Sheme, Shel Echal Nami Asubot Ayu. Bien que les Amot de Sit Fahim du Mavoy, elles sont tristes. Ouais, on verra, ça veut dire elles sont serrées. D'accord? Shat Fahim serré. Une amas, c'est quatre doigts, ouais, mais ils sont serrés. On verra ça dans la souka qui va suivre. Ouais, eh bien, c'est possible que même ceux du Echal sont serrés. Deuxième réponse, Inami, Afilola Abaye, et Simana Be'al Manakat, Leinyan Amot. Je peux te dire que ça marche même selon Abaye, bien que selon Abaye, les Amot du Mavoy, c'est de 5 Tfahim, et selon Rabba, et le Echal, c'est des Amot de 6 Tfahim, eh bien, c'est pas grave. Finalement, 20 amot dans les deux cas. Après, le détail, c'est pas grave, on va pas rentrer dans le détail. Mais les deux, c'est 20 amot. D'accord? Comment elles sont les amot? Bon, ça, c'est un détail. Afilu la baye les simana be'al manakat, les nyan amot. Aval mi komakom, aïtik kimo, shekhal halalo esim be'amot, jide, akhin ami mavoy be'amot, jide. Chacun, c'est amot. Il y a des 5, il y a des 6. D'accord? Mais les deux, c'est 20 amot. De même manière que lui, c'est halal, lui aussi, c'est halal. Wow. Très bien. Maintenant, on commence une nouvelle sugya. Non, pas encore. Il me reste encore quelques lignes. Et tu vis Rav Shimi Barav Ashile Rav Papa. Toi, Rava, tu as été mehadesh, qu'on parle du halal. Quand il va à Mot, c'est le halal. Et la poutre, elle est l'extrémité de ce va à Mot, c'est kasher encore. Au-delà de ça, c'est pas bon. Alors, la Gemara, Rav Shimi Barav Ashile, il objecte à Rav Papa. Tu parles Kessad ou Rosé, Manir Kora Misfat Esrimul Mata. Il mettra la poutre à l'extrémité de 20 amot et en bas. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas un espace de 20 amot. Il faut mettre la poutre Misfat Esrim Ulmata.
un petit peu moins que 20. Poutre, elle piétine dans les vins. Voilà, elle soit dans les vins. Mais sim, à la bordure de 20 et en bas. D'accord. Donc, tu as 20 mots, disons que 20 mots, c'est là. La poutre, elle doit être comme ça. Ouais. Donc, ça ne marche pas du tout. En fait, c'est une question qui pourrait être posée même pour celui qui dit comme ça. Hein. D'accord. Peut-être. Mais en tout cas, sur là-bas, c'est sûr, sur là-bas, pardon, c'est sûr que c'est un kushia. Alors, dit la Gemara. Très bien. Dit la Gemara, répond la Gemara. Emma ulmala. Non, non, il faut dire ulmala. Misfat aislim ulmala. Ah, c'est bien ça. La Gemara dit, ah, les matas katane, que tu racontes. Il y a marqué les matas, tu dis ulmala. Et qui est le contraire. Ah, kamash malad. La Gemara dit, voilà ce que le Tanakh est en train de te dire. Ce qu'il est en train de t'apprendre. De les matas qu'elle est mala. Sache qu'en bas, c'est comme en haut. De la même manière qu'en haut, c'est un espace de 20 amot que je t'autorise. Aflemata, même en bas, c'est un espace de 10 tfahim que je t'impose, au moins. C'est-à-dire, j'explique et après on voit comment ça rentre dans les mots. De la même manière que la poutre ne doit pas dépasser une certaine hauteur, il y a aussi un djinn que la poutre ne doit pas être inférieure, la Coran ne doit pas être inférieure à une certaine hauteur. C'est quoi cette hauteur-là de dit tfahim? Quand je dis qu'il faut dit tfahim, le Tana est en train de nous apprendre qu'il faut qu'il y ait un espace entre la poutre et le sol de dit tfahim. Sinon ça, ce n'est même pas un mavoy, dit Rashi. Ça ne s'appelle même pas un mavoy. D'accord? Il faut que la poutre, elle est dit tfahim, de l'extrémité de la poutre jusqu'au sol, il y a dit tfahim, ou au-dessus. De la même manière que quand on a dit 20 amot, c'est l'espace doit avoir 20 amot. Je peux aller jusqu'à 20 amot d'espace. Même au niveau vers le bas des tfahim, la poutre, elle doit avoir un espace de 10 tfahim. Donc entre 10 tfahim et jusqu'à 20 amot. D'accord? Voilà comment il faut comprendre la braïta. Et comment je la lis? Comment je lis la braïta? Alors Rashi dit. Regardez la chine. Manu, juste une petite question. Attends, avant la question. D'abord, comment on lit la chine? Akamash malan. Regardez la chine, akamash malan. Akamash malan. Des chiour. Excusez-moi. Des chiour, chinatu hachamim le mata. Asalat fahim. Ahalal kai. Que chiour, chiamru, beestrim le mala. Vahi kama. Tu mets la poutre misfat aislim ulmala. Et de même tu fais pour les mata. Si imbala soto namuch, si tu veux le faire bas, maniha misfat asalat fahim ulmala. Très bien. Voilà comment il faut lire la braïta. La vérité, on l'a quand même abîmé, ce braïta-là. Hein. Le pshat, on l'a abîmé. Très bien. Vas-y, Jonathan, je t'écoute. Non, c'est juste par rapport, puisqu'on parle de souka. C'est quoi la hauteur minimum d'une souka? C'est aussi dit farim? Juste. Ok. Amal Abaye. Mavoy moins que dit farim, ce n'est pas un mavoy. Exact. Comme ça, je regarde dans les derniers mots que je viens de dire dans le chi, des pachot ma'asara l'ouave mavoy. Ouais, c'est ça. Là, on commence une nouvelle sugya. D'accord? Là, on va voir un enseignement d'Abaye au nom de Rav Nachman. Et à la fin du DAF d'aujourd'hui, on verra un autre enseignement de Rava au nom de Rav Nachman. Les deux au nom de Rav Nachman, mais il mahlok est entre les deux. Alors, on y va. Amar Abaye, Mishmed et Rav Nachman. Amat Suka ou Amat Mavoy, Be'ama Bat Hamisha. Chaque fois qu'on parle, enfin, chaque fois, pour le moment, on explique comme ça. Quand on dit. À Souka, quand on parle des Hamot dans Souka, ou quand on parle du Mavoy, on parle des Hamot, sachez, dit Abaye, au nom de Rav Nachman, que la Hama, c'est une Hama de 5 Tfahim. Par contre, au sujet du Kilaim, quand tu as une vigne, d'accord,
On va expliquer hein, au fur et à mesure. Les hamot dont on parle là-bas, ce sont des hamot batisha tfahim. Si tfahim, chakama. On explique la chip, pourquoi cette différence. Où tu as vu 5 ou tu as vu 6. C'est écrit nulle part 5 ou 6. C'est écrit ama, ama à chaque fois. Et l'ama, Rav Nachman pense toujours il faut aller la humra. Comme ça, Rashi explique comme ça, parce qu'on verra comme ça dans la suite de la Gemara. On suit la humra. D'accord. Amat mavoy be'ama bat hamisha, le ma'il cheta. Quand on a dit que amat mavoy, c'est une ama de 5 tfahim, pour quelle halakha tu dis ça? Et pour la Gemara, les govo, ou le pilsat mavoy, pour la hauteur. On a dit qu'une mavoy, sa poutre, elle est, la kora, elle est au-dessus de 20 mot, c'est pas bon, il faut y m'arrêter. Eh bien, ces amot-là, c'est des amot de 5 tfahim. D'accord? Un mode de 5 tfahim, 5 fois 20, ça fait 100 tfahim. Si tu as dépassé les 100 tfahim, il faut y m'arrêter. Mais si c'était des mode de 6 tfahim, je peux aller jusqu'à 120. Je peux aller jusqu'à 120. Donc, je suis mahmir alecha. 120 tfahim. Je suis mahmir alecha. De même, ou le pirsat mavoy. C'est quoi le pirsat mavoy? Si un mavoy, il a une cassure et il y a un mur qui se casse de plus de 10 tfahim, de 10 amod, pardon. Rachid dit diamant, mais comme dit Gilion Achaz, c'est l'homme d'Urtak. Pirsat Mavoy, si maintenant il y a Pirsat du Mavoy, une cassure de plus de diamant, ouais, c'est pas bon. Alors là aussi, diamant, chaque amal est 5 tfahim. Ça veut dire 50 tfahim, c'est déjà un problème. Tu as dépassé les 50 tfahim, c'est déjà un problème. Mais si une amal c'était 6 tfahim, pour que ce soit un problème, il faut dépasser les 60 tfahim. Je suis mahmir. Alors, on peut se poser la question pourquoi la Gemara a eu besoin de parler de Pirsat Mavoy. Alors pourquoi elle n'a pas parlé de la largeur du Mavoy, comme on l'a vu dans la Mishnah? Question. Je pensais répondre à cette question, que ça aussi, ça rentre dans Pirsat Mavoy. D'accord? Ça rentre aussi dans l'ouverture du Mavoy, une cassure. Ok. Demande la Gemara, il y a même un petit achidouche dans Pirsat Mavoy. Demande la Gemara, dit la Gemara, Ve'aïka, Meshek Mavoy, Be'alba Amot, Delekula. Il y a une déa qui dit qu'un mavoy, pour qu'il soit mavoy, il faut qu'il soit long de 4 amot. Mais si tu dis que la hama, c'est 5 tfahim, 4 amot, ça fait combien? 20 tfahim. Donc le mavoy, il s'appelle mavoy, et je peux être marchir auto dès l'instant où j'ai 20 tfahim de longueur de mavoy. Oui, mais par contre, si la hama, c'était 6 tfahim, alors, pour être marchir, il faut que ça soit 6 fois 4, 24, Fahim. Sinon, je ne peux pas être marchir l'auto. Donc, tu vois bien que c'est une coula, parfois, quand tu considères la hama de Mavoy comme une hama de 5 Fahim. Kouchia, or toi, Rav Nachman, à tout risque, tu l'as dit parce que tu veux marchir. Voilà, ça sort une coula. Voilà la coucha d'Agmara. Et pour l'Agmara, Keman de Amar Be'ad Ba'at Fahim. Première réponse de l'Agmara. Eh bien, Abaye pense comme celui qui dit Berbaat Fahim. Ou Rav Nachman, quoi, selon Abaye. Berbaat Fahim. 4 Fahim. D'accord? Dès qu'il y a quatre, donc, il n'y a pas un djinn de Hama Bichlal. Dès qu'il y a 4 Fahim dans le Mavoy de longueur, c'est bon. Donc, tu n'as pas de Kula. Soit, tu fais une petite parenthèse, il dit quand on a dit qu'Arbaat Fahim, c'est l'Avdak Arbaat Fahim. C'est Arbaat Fahim ou Mashiou. Pourquoi? Il faut rajouter un peu plus que 4 fahim. Pourquoi? Parce que le pétard, il n'y a pas de pétard dans le mavoy moins que de 4 fahim. Or, il y a un din dans le mavoy qu'il faut qu'il y ait une longueur plus qu'une largeur. Donc, je suis obligé de dire que la longueur, elle est 4 fahim plus que la largeur qui est 4 fahim. C'est ce qu'il dit, Tosfot. Pirush, umash yu yoter, den pétard patouah, den pétard, pardon, pachot midalet, fahim. Vei lo awe mash yu yoter, et s'il n'y avait pas dans la longueur du mavoy, un petit machou en plus, on n'aurait pas eu une longueur plus qu'une largeur. Et donc, on ne peut pas l'autoriser avec un hevekora qu'on verra dans ta fée. Bien que Abaye lui-même, et là on parle selon Abaye, n'est-ce pas? Abaye selon Rav Nachman. Lui-même, Abaye pense que ma voix, il faut qu'il ait une longueur de 4 amot, pas de 4 fahim. Qu'est-ce que la Gemara est en train de dire alors? Là, ça c'est selon Rav Nachman. Mais lui, il ne pense pas ainsi. D'accord? Abaye pense que c'est 4 amot et donc, ce serait une coula.
Très bien. On continue. Vibaitema, deuxième réponse. Berbamot, Verovamot, Kaamar. Je peux te dire qu'on parle comme Abbaye pense, Bémet. Le Mavoy, il devient caché quand il y a une longueur de 4 amot. Ah, tu vas me dire que c'est une coula. Parfois, c'est des coulottes, mais c'est rare. C'est beaucoup plus fréquent. Les amot du Mavoy, quand tu dis Amabat Hamishat Fahim, c'est une chumra plus que c'est une coula. D'accord? C'est vrai que dans le cas de la longueur du Mavoy, c'est une coula. Mais c'est un petit cas par rapport à d'autres, pardon, d'autres nombreux cas. La Gemara continue. Amat Souka Be'amat Be'amat Bat Hamisha. Le Maïl Kheta. Pour Kalalacha, tu m'as dit ça. Que l'amat de Souka, c'est une amat de 5 Tfahim. Le Gova, pour la hauteur. Donc ça veut dire que si maintenant la Souka est plus haute que 100 Tfahim, la Souka est psoula. D'accord? Alors que si la malle, c'est 6 tfahim, pour qu'elle soit psoula, il faut que ça dépasse les 120 tfahim. D'accord? Donc, je suis mehmir. Ou le dof en akuma, même au sujet de dof en akuma. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Vous savez, dof en akuma, comme on voit dans ma sœur Souka, si vous avez un scar qui est dans une maison, comme dit Rashi, vous avez une maison, et au milieu de la maison, ça a été troué, c'est cassé. Le plafond, au milieu, c'est troué. Tu as mis du srach. Maintenant, de là où il y a le srach jusqu'au mur, il y a du béton. Ça s'appelle du srach pasoul. Alors, si ce béton-là, il va jusqu'à 4 amot, moins 4 amot, moins, ouais. Alors, on va considérer que ce plafond-là, c'est le début de la paroi. D'accord? Comme si la paroi, elle est incurvée, comme ça. Ouais. Elle est comme ça. Elle plonge. D'accord? Et donc, la paroi, tout de suite, elle touche le srach. Très bien. Alors, ces amot, là, les 4 amot, on les compte en amas de 5 tfahim. Donc, ça veut dire 20 tfahim. Dès qu'on a 20 tfahim, jusqu'à 20 tfahim, tu peux dire dofen akuma. Au-delà, tu ne peux plus dire dofen akuma. Maintenant, si je considérais les amot de 6 tfahim, j'aurais jusqu'à 24 tfahim. Donc, je suis mahmir. Quoi? Ça, c'est le dîme de dofen akuma. Il y a une déa, celle de Rabbi, qui pense qu'une souka, elle est kshera dès l'instant, il y a 4 amot sur 4 amot, pas moins. Si c'est comme ça, 4 amot sur 4 amot, ça devient 20 fahim sur 20 fahim. Et c'est kasher. Mais si tu pensais à un mat de 6 fahim, il te faudrait 24 fahim sur 24 fahim pour dire qu'elle est kshera. Donc c'est une kula. Des Tanya, Rabbi Omer, Ani, Omer, Ani, Omer, Omer, Rabbi Omer, Omer, Ani. Souvent, on voit que dans les Breitot, quand on a ramené Rabbi, Rabbi dit, moi je dis, Omer Ani, Kol Souka, Shen Ba Arba Amot, Al Arba Amot, Psoula. Répond la Gemara, que Rabbanan, Barav Nahman, il ne pense pas comme Rabbi, il pense comme Rabbanan. Et Rabbanan pense, De Amre, Afiru, Ina, Mahdek, Etel, Rosho, Robo, Shlochano. Si la Souka, rien à voir avec les Amot, c'est 7 Fahim sur 7 Fahim. Si la Souka contient sa tête, la majorité de son corps avec sa table, eh bien, la Souka Lekshia n'a rien à voir avec les Amot. D'accord? Il me faut donc 7 Fahim. C'est ça le shiur de Rosh Rubov Shulchanot. Oui, ben, t'es mal à l'Olam Rabbi. Je peux même te dire que Rav Nachman pense comme Rabbi. Et ça ne me dérange pas. L'Olam Rabbi, Verov Amot Kaamar. D'accord? C'est vrai que parfois, ça va sortir une Kula. Attendez, c'est ça. C'est pas comme ça. Même en haut, c'est pas comme ça. Je vais me remettre en question là. Quand on dit Ravamot, regardez Rashi, Ravamot, Anizkarot, Bimbavoy, Ta'ama, Rav Nachman, Diliavir, Ta'not. Mais là, encore la mot, Mavoy, Ta'ama. C'est-à-dire, l'Alam, on est Mahmir. Parfois même, dans Mavoy, on va choisir des Hamot de Sit Fahim. Et quand il a dit que les Hamot de Mavoy ou les Hamot de Souka, c'est des amotes de 5 tfahim, c'est pour être mahmir. Parfois, il arrive pour être mahmir qu'on dira que c'est des amotes de 6 tfahim. Mais comme c'est des rares fois, c'est pourquoi j'ai dit de manière générale, amad de Mavoy et de Souka, c'est 5 tfahim. Parce que c'est la majorité des cas, c'est des cas de 5 tfahim, c'est dans ce cas-là qu'on est mahmir. D'accord? Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je n'ai pas dit ça, je me suis trompé. D'accord?
En fait, Manu, pour savoir si le Mavoy, c'est un Mavoy, si on va être Mahmir ou si on va être plus Mekel, on va prendre la définition. Par exemple, si on veut définir un Mavoy en tant que Mavoy rapidement, et ben on va prendre la plus petite mesure. Donc, ça va être... 5 Tfahim. 5 Tfahim, voilà. Ouais, et ça dépend des gars, d'accord, voilà, c'est... Par exemple, dans la longueur du Mavoy, qu'on a besoin de 4 amotes selon une DA, on dira que la Hama, c'est une Hama de 6 Tfahim. Mm-hmm. Là, je t'imposerai 24 Tfahim de longueur, et non pas 20 Tfahim de longueur, pour être marchir le Mavoy. Donc, on serait marchir. Donc, autrement dit, on cherche toujours la Khumra. Maintenant, comment ça se fait que Rav Nachman s'est exprimé de cette manière-là? Parce que Rav Nachman, il parle du Rav. Il ne parle pas du Mio, il parle du Rav. Très bien. Il nous reste à expliquer à Matt Kilhaim. Je n'ai pas compris la réponse, Manu. Je n'ai pas du tout compris cette histoire de Rav Amod Kama. Rav Amod, ça veut dire que quand Rav Nachman, il a dit que la Hama du Mavoy ou du Souka, c'est 5 Tfahim, ouais, c'est la majorité des cas de Amod où on est Mahmir. 5 tfahim. Mais il existe des cas où 5 tfahim c'est poula, et dans ce cas-là, on dira 6 tfahim, mais c'est des cas minoritaires. C'est bon, j'ai compris. Et très donc bien. Il est d'accord avec Rabbi, et c'est bon, j'ai compris. Très bien. Maintenant, il faut expliquer Amat Kilhaim. Be'amat Batshisha. Be'amat Batshisha. Lema ilcheta. Le karahata kerem ou limhala kerem. Pour ce qu'on appelle Karahata Kerem et Mehola Kerem. Littéralement, Kerem chauve, ouais, ou bien Mehol, Mehol comme une danse, vous voyez. Mehola Kerem. Une danse. C'est quoi ça? Ouais, Mehol c'est danse. Ouais, rond. Extrémité. C'est quoi ça? Ah, danse, ok. Je vais vous montrer directement des photos, ça va être plus court. J'espère. Regardez ici. Alors, attends. Le numéro du dessin. Page 3, numéro 14. Ça, c'est l'histoire de Dofen Akuma. Vous l'avez vu? Très bien. Maintenant, ça, ouais. Ça, c'est Tarahat. Vous voyez, il y avait un champ, une vigne. Une grande vigne, comme il faut. Ouais. Et au milieu, on a rasé. Vous voyez, là, c'est rasé. Ouais, voilà. De même, ici, là, vous voyez, vous avez une vigne, c'était tout plein. Et au milieu de la vigne, on a rasé. Ça a été rasé. D'accord? Point, ça, c'est rasé. Là, on parle de ces deux cas-là. L'un comme l'autre, ça ne change pas de galaxie. D'accord? Et après, on parlera d'un autre cas. Maintenant, je continue la Gemara. Donc, la Gemara nous rapporte une braïta, une Mishnah. Karahat Abkerem, Bet Shammai Omrim Esim Ve'arba Amot. Pour pouvoir planter, il faut que cette partie chauve, elle fasse 24 Amot. Ou Bethilel, Omrim, Sheshesre Amot. Bethilel, quant à eux, ils disent non. 16 Amot, ça suffit. D'accord? On va expliquer la Gemara un peu plus tard. Elle va rentrer plus dans les détails. Pour le moment, juste, je traduis la Gemara. Maintenant, ou Mechol HaKerem. C'est quoi Mechol HaKerem? Ça, je n'ai pas encore expliqué c'est quoi. C'est ça. Vous voyez là? Là. Vous avez une vigne ici, et vous avez trois parties. La première partie, c'est de la vigne jusque-là, c'est il y a 4 amotes. De là à là, il y a encore une partie que tu peux planter, et de là, la partie qui est à côté du mur, en général, on ne la touche pas. D'accord ? Pour ne pas ébranler le mur, pour ne pas le fragiliser, etc., on ne touche pas. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle mehol, ça veut dire ça. En tout, c'est autour de la vigne, autour, comme un mahol, vous voyez, autour, on tourne autour de la vigne. Alors maintenant, dans ce cas-là, il y a aussi une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mehol HaKerem,
Ben Shammai Omrim, 16 Amot, pour pouvoir t'autoriser à planter autre chose comme tevoua ou comme légumes. D'accord ? Je ne parle pas de kitnit et je ne parle pas d'arbre. Kitnit, c'est une discussion. Et d'arbre, ce n'est pas un problème. Je parle de tevoua, ou bien de yarak. D'accord ? À partir de quand je peux planter ? Distance de combien ? Il faut qu'il y ait 16 amot entre la vigne, l'extrémité de la vigne et le mur. Alors que Beth Hillel disent non, 12 amot suffisent. C'est bon, on n'a pas expliqué pourquoi ces chiffres-là. On va expliquer doucement maintenant. C'est quoi Karahata Kerem? Kerem Sheharav Msaito. C'est la vigne que au milieu, ça s'est détruit. Comme on a dit, deux cas possibles. Ou bien, tu as une largeur, une vigne qui était toute large, une sorte de rectangle, et au milieu, shlak, karahat, de bout en bout. Ou bien, tu avais un carré, comme on a vu dans le schéma, ou bien un rectangle, peu importe. Et au milieu de ce carré rectangle, eh bien, tout a été rasé. Et maintenant, moi, j'ai envie de planter dans la partie où c'est rasé. J'ai envie de mettre du blé. D'accord ? À partir de quand je peux ? Selon Beth Hillel, il faut 16 amot. Imen sham 16 amot, lo yavizera le sham. S'il n'y a pas 16 amot, d'accord, entre les deux extrémités, d'accord, prenons le cas simple, le cas où tu avais un rectangle, tu avais une vigne comme ça, et au milieu, c'est rasé. Si entre la partie de droite et la partie gauche de la vigne, il y a 16 amot, tu pourras planter au milieu. S'il n'y a pas, tu ne peux pas planter au milieu. Pourquoi ? On va expliquer. Vous laissez une marge de 16 amot. Il ne faut pas laisser une marge. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit s'il y a entre les deux extrémités de la vigne 16 amot, tu pourras planter. Je n'ai pas dit où et je n'ai pas dit combien. Mais j'ai dit tu peux planter. S'il n'y a pas 16 amot, tu ne pourras pas planter. D'accord ? Après, je vais expliquer comment. Mais c'est les extrémités extérieures ou intérieures ? Ah ? Intérieures, comment ? C'est les extrémités tout au bout du champ ou c'est les extrémités... Je recommence. J'ai pas de photo. J'ai un champ comme ça. Tu vois ma main? Je vois pas la photo, Manu. Ah. Attends, je vais revenir. Je vais venir chez vous. Alors. Une seconde. Ça y est, je te vois. Ça y est, c'est bon. Alors, regarde la photo de Jonathan. Ouais, c'est petit. Hein. On s'en fiche, c'est petit. Ah, tu vas grandir. Attends, voilà. Ah, ça y est, ouais. Voilà, au milieu, c'est rasé. Maintenant, entre les deux morceaux de vigne, il y a 16 amot, tu pourras planter. S'il n'y a pas 16 amot, tu ne peux pas planter. Point. C'est bon. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, on va expliquer combien tu dois planter par la suite et pourquoi ça, c'est, d'où il sort ce chiffre 16 amot. Donc, im en sham sheshe sre amot lo yavi zera le sham. Ayusham chez ses amot. Si par contre il y a ses amot, noten lo kede avodato. Il donne la partie nécessaire pour l'avodat dans chaque morceau de vigne. Vezorea et amutar, il pourra planter le reste. Point. Je m'arrête là, on essaie d'expliquer ça. Explique Rashi qu'en fait, la partie du travail correspond à 4 amot. Chaque vigne, d'accord, elle a besoin de 4 amot. Pour la travailler. La partie qu'on a besoin pour la travailler, pour la récolter, etc., avec les chameaux, avec les bœufs, la charrue, ouais, eh bien, cette partie-là de 4 amot est nécessaire pour la vigne, elle s'appelle donc liée à la vigne. Maintenant, moi, je prends le cas simple, j'ai 16 amot, ouais, entre les deux parties de la vigne. Ouais. Donc, j'ai 4 amot de chaque côté, ça fait 4. Et 4, il y a 8 qui sont pris. Combien il me reste au milieu ? 8. Si j'ai 8, un champ, il s'appelle champ à partir de 4 amot. Donc, lui, j'ai 4 par là et 4 par là. Donc, chaque 4, il n'est pas mis de battel par rapport à la vigne d'à côté. Je peux planter tous les 8 amot qui sont là. D'accord ? Si maintenant, je n'ai pas ces amot, alors qu'est-ce qui va se passer ? Dit Arashi. Je prends 4 amot.
Il y a quelqu'un qui entend Manu, là. Julia Lavigne, 4. Oui, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. C'est bon, on entend. Alors, il me reste. Vous m'entendez ou pas? Non, je t'entends, là. Enfin, moi, je t'entends. Là, je t'entends plus. Il est parti, là. Amos, on t'entend plus, on t'entend pas, Amos. C'est très compliqué, je n'arrive pas à suivre à 100%, donc j'écoute. Mais Amos, Gmara. Oui, j'ai Gmara, voilà. Mon fils, il m'a apporté une petite, je te la montre. Non, je te crois. Non, non, mais... Qu'est-ce qu'on pose du cela? Tu sais, c'est ces petites gamarotes là. Oui, il faut que j'achète ça, moi. Voilà, avec mes tiftailles et tout ça. Oui, c'est très bien. Il y a quelques photos, mais pas les photos. Alors ouais, on t'entend. Voilà. Et on te voit aussi. Voyez, c'est bien à vous. Voilà. Yes. Quand il y a quelqu'un qui m'a appelé, voilà, quelqu'un m'a appelé, ça a bloqué le. Ouais, c'est cool. Très bien. Voilà, je lui ai envoyé un message pour que. Alors, je continue. Ouais. Donc, je reprends. Donc, on avait quoi? On avait. Maintenant, j'ai 15 fahim. J'ai 15 amotes, pardon. Donc, j'ai 4 amotes de chaque côté qui sont pris. Oui. Il me reste 7, fahim, 7 amotes au milieu. 7 amotes, ça veut dire 3 amotes et demi par rapport à chaque morceau. 3 amotes et demi, c'est pas suffisant. C'est Batel, c'est pas le chiour d'un champ. Il faut 4 amotes. C'est pourquoi c'est Batel, c'est pourquoi je ne peux pas planter. Point. Idem, si maintenant toute la vigne elle est autour, vous voyez un carré comme ça, et au milieu, il n'y a rien du tout. Au milieu, ça a été détruit. Là aussi, il faut que de chaque côté, j'ai mes 4 amotes. D'accord. Et à part ça, il me reste après 4 amotes sur 4 amotes. Ouais. Enfin, plus. Toujours 4 amotes. Il faudra 8 amotes de chaque côté. Oui, il faut qu'il y ait 16 amotes sur 16 amotes, Bekitsou. 4 amotes par là, 4 amotes par là. Voilà, il faut 4 amotes. Je vais faire le hashbon. 4 amotes, et après, il me reste encore 8 amotes. Sinon, ça ne sera pas bon. D'accord. Il te faut 4 pour que ce soit en champ. Prends 8. Au milieu, il y a 8 amotes sur 8 amotes. Ouais. Et 8 amotes, ça veut dire 4 amotes. Lié par 4 amotes par là et 4 amotes par là. Donc c'est Batel après, parce qu'il n'y a plus rien pour planter. Et non, sinon c'est Batel. Voilà. Sinon c'est Batel. Ouais. Pour qu'il y ait un champ, il faut qu'il y ait 12 amotes de largeur. Tu mets 4 amotes de marge, 4 amotes de marge de chaque côté, il te reste un champ de 4 amotes au milieu. Oui, mais là, le problème, non, ça dépend du cas. Là, comme j'ai une vigne de chaque côté, il faut que chaque morceau, il est. Tu as compris, il y a deux vignes là. Oui, oui. Il y a oui, un oui. Champ rasé, il y a deux vignes. Donc chaque morceau ici doit être 4 amotes. Donc en tout, 8 amotes. Ok, mais là, c'est Batel. Là, il ne peut pas planter. Si, il peut planter. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Attends. Dans le champ qui est rasé au milieu, il y a deux vignes ici et un champ qui est rasé, et le champ qui est rasé au milieu. Ouais. Toi, tu dis. T'écoute. Hein? T'écoute. Donc j'ai 4 amotes de travail. 4 amas de travail de chaque côté. Voilà, ils sont là. Après, j'ai le reste, c'est du champ. Si maintenant ouais. J'ai 7 amas, donc 3,5 de chaque. 3,5. 3,5. Ouais. 3,5 par rapport, c'est pas 4, c'est pas Hachouf, c'est Batel à lui. 3,5, c'est Batel à lui. Par contre, si c'est 4 et 4, 4, c'est un champ. 4, c'est pas Batel à lui. Et c'est pas Batel non plus à l'autre. T'as compris? Les okay. 8 amas du milieu. Okay. J'ai compris. Il y a 4 amas par là et 4 amas par là. Maintenant, dans le cas de Mahol, la même chose. Seulement, ici, il n'y a pas des deux côtés une vigne. Donc, pourquoi Bethila demande 12 amotes? Parce que la vigne, elle a besoin de 4 amotes pour travailler, qui sont liés à la vigne. Après, tu as 4 amotes ton champ à toi. Et après, il y a les 4 amotes jusqu'au mur qu'on ne touche pas. Donc, s'il y a 4 amotes, c'est bon, parce que ça s'appelle un champ, ce n'est pas Bethila à la vigne. Mais s'il y a moins de 4 amotes, donc moins de 12 amotes, ouais, tu auras donc moins de 4 amotes. Ici, tu as moins de 4 amotes, alors c'est Bethila à la vigne, et donc tu n'as pas le droit de planter. Point. Ça, on a expliqué Beth Hillel, mais on n'a pas expliqué Beth Shammai. D'accord?
Je continue la Gemara, après on essaie d'expliquer Beit Shammai. Là, Manu, si je te l'ai répété, mais c'était pour imaginer. Non, c'est pas grave. Alors, Ben Kerem, Vezeu Mahal Kerem. C'est quoi Mahal Kerem? Ben Kerem la Gader. Im en Sham Shtemaisre Ama. Lo Yavizera le Sham. Ayusham Shtemaisre Ama. Noten lo Keda Vodato. Vezorea et Ashear. On a fini. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas expliqué Beit Shammai. Pourquoi Beit Shammai, alors que Beit Hillel dise ça suffit 16 ou 12 en fonction du cas, si c'est Karahat HaKerem ou Mechol HaKerem, mais Beit Shammai, lui, il demande 24. Quoi ce chiffre-là, 24? Comment il est arrivé à 24? Alors, Rachid explique de deux manières différentes. Oui, première explication, c'est un chant, il s'appelle un chant dès l'instant où il y a 8 amot et non pas 4 amot. Donc, selon ça, dans le cas de Karahat HaKerem, il faut 8 amot et 8 amot pour chaque chant et 4 amot et 4 amot pour le travail. Donc, ça fait 8 fois 3, 24. 8, 8, 4, 4. Ouais. Deuxième façon d'expliquer, pour lui, les bœufs, ils ne prennent pas 4 amot, ils prennent 8 amot. D'accord, là, ma chance, c'est 4 amot, mais les bœufs, c'est 8 amot. Donc, tu as 8 amot par là, 8 amot par là, et chaque champ, dans Karahat HaKerem, il faut 4-4. Ça fait 8, 4-4, 8. Donc, 24. Et dans Mechol, la même chose. Mechol HaKerem, selon le premier pirouche, il faut 4 pour les bœufs, 8 pour le champ, et 4 pour ne pas casser le mur. Donc, ça fait 4-4, 8, ça fait 16, donc. Ou bien, selon le deuxième pirouche, il faut 8 pour les bœufs, 4 pour le champ et 4 pour ne pas casser le mur, c'est-à-dire pour s'éloigner du mur de la barrière. Ça fait 8, 4, 4 et ça fait donc 16. Voilà comment on explique les deux explications que Rachid a données pour expliquer Beit Shammai. Point. Dit la Gemara, Ve'ai kare soufim be'arba amot delekula. Demande la Gemara, mais attends. Toi, tu m'as dit, excuse-moi, Amot, si je tousse. Hein. Toi, tu m'as dit. Oui, je vois, j'entends. Tu vas te crier. toi, tu me dis que si Samot, si Tfahim pour une Amma dans Kilaim, c'est les Ahmir. Mais il y a des cas où c'est les Akel. C'est quoi le cas des Akel? Resoufim. C'est quoi cette histoire de Resoufim? Veika Resoufim Berba Amot Delekula Detnan. Que ça sort une Kula. En fait, ça va sortir une Kula selon Rabbi Shimon. Detnan. Kerem Anatua Alpachot Merba Amot. Une vigne qui est plantée à moins de 4 Amot. Rabbi Shimon Omer Enoker. Rabbi Shimon dit c'est même pas une vigne ça. Explication. Pour qu'une vigne soit une vigne, soit considérée comme une vigne, et non pas, il y a Geffen et il y a Kerem. Vous entendez? Geffen, c'est... Kerem, c'est la vigne plein de Kerem. Keramim. Plein de Geffenim, c'est un Kerem. Mais Geffen, c'est un particulier. Quand est-ce que je m'appelle Geffen et quand est-ce que je m'appelle Kerem? Alors, dis-le, Bishimon, attention. Quand tu as des vignes des Geffanim juxtaposés l'un à côté de l'autre qui ne sont pas distants de 4 amot, il faut que ça soit distant de 4 amot entre une rangée et une autre rangée. Je ne rentre pas ici de long nombre, combien il faut, 5, 6, etc. Ça, c'est des détails que la Gemara elle-même ne rapporte pas chez nous. Ce n'est pas trop notre sujet. On va prendre deux rangées, par exemple. On a une rangée là, une rangée là. Deux rangées. Si ces deux rangées là, ils sont distants de 4 amot, ouais, alors ça va s'appeler une vigne. Tout ça, ça va s'appeler une vigne. Et donc, si ça s'appelle une vigne, il faut s'éloigner de 4 amot. D'accord, pour pouvoir planter des zraïm, des voies, etc. Mais sinon, il y a une marloque. En général, les poskim tiennent, il faut s'éloigner que de sitfahim. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin du tout de s'éloigner. Bon, ça, c'est un détail dans notre souya. Ce qu'il faut retenir, est-ce que ça s'appelle une vigne ou pas? Est-ce que c'est un kerem ou c'est un geffet? Alors, dis à Bishimon, si maintenant il n'y a pas 4 amot, ça ne s'appelle pas. Ça ne s'appelle pas un kerem. D'accord? Pas rien. Voilà. C'est comme un geffen, autrement dit.
Très bien. Par contre, selon Hachamim, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu as tous les trois amot. Tu as une rangée de vignes. C'est-à-dire, considère celle-là comme si elle n'existe pas. Tu as une là et tu as une six amot. C'est bon, il y a un espace de quatre amot, non? Ah ben, ça s'appelle une vigne. D'accord? Très bien. Selon Rabbi Shimon, quand il n'y a pas quatre amot entre les deux, donc disons que je vous pose une question. Si maintenant je considère une ama de 5 tfahim ou une ama de 6 tfahim, d'accord? Prenons un ama de 5 tfahim. Donc selon Rabbi Shimon, pour qu'une vigne s'appelle une vigne, il faut 20 tfahim. Si une ama elle fait 5 tfahim, il faut 20 tfahim. Là, c'est vraiment ça peut une vigne. Oui? Mais toi, tu as dit, il faut que. Mais si je dis qu'il faut une ama de 6 tfahim, ça ne s'appelle pas une vigne. Donc, je peux planter à côté. Donc, c'est une coula. Vous comprenez? C'est une coula, alors. Oui, ça dépend de. Donc, on voit bien que parfois, considérer donc, qu'il aille une ama de 6 tfahim, eh ben, ça engendre une coula, selon Rabbi Shimon, dans l'occurrence. Kouchia. Voilà la kouchia de la Gemara. Le Hakamim, on me dit qu'il s'en fiche. C'est Kerem. Veroin et ha emsaim keilu enam. Dit la Gemara. Rav Nachman, encore une fois? Non. Personne n'est là. Comment? Donc la Gemara répond. La Gemara répond que Rabbanan. Rav Nachman pense comme Rabbanan. D'Amre avec Kerem, que pense que c'est un Kerem quand même. D'accord? Donc on s'en fiche de 5 ou de 5 tfahim ou 6 tfahim. Ça va s'appeler quand même Kerem. Quoi qu'il en soit, qu'on va enlever ceux du milieu. On verra après la prochaine de Tosfot. Mais ben, t'es mal à l'âme que la bichimane verrov à mot ka'ama. Ou bien je te réponds, comme je t'ai répondu tout à l'heure. D'accord, dans ce genre de cas, je peux penser à la bichimane comme la bichimane. Dans ce cas-là, on va considérer une ama bat hamisha tefahim. Point. Tosfot, regardez Tosfot. On a deux Tosfot. Vaïka les soufim. De l'ekula. Répond la Gemara Kera Banan de Amre Keremave. Vimto Maraika de Tanbe Maserit Kilaim. Gedesh Nifresa d'Aïsselamot. Are ok petah yo termikan kenere d'Apirsa Asur. Yo termikan kenere d'Apirsa Asur. On dit voilà. Il y a une Mishnah de Kilaim qui nous dit comme ça. Gedesh Nifresa. Un Geder. Chenifresa qui s'est cassé, une barrière qui s'est cassée, à Adaï Salamot, jusqu'à 10 Samot, c'est comme un pétard. Et donc tu peux planter juste à côté de la porte. Ayotel Mikan, ouais, plus que ça, tu ne peux pas connecter ta pirsa à Sour, tu ne peux pas planter à côté de la pirsa, ça s'appelle une pirsa, on ne peut pas planter à côté. Ah, attends une seconde là. Comment tu calcules tes 10 Samot? Tu calcules tes 10 Samot, 60. Fahim, c'est une coula. Jusqu'à 60 Fahim, ça s'appelle un pétah. Par contre, si c'est 5, c'est jusqu'à 50 Fahim, c'est un pétah. Kouchia, répond la Gemara, répond Tosfot. Donc, tu vois bien que il y a un autre cas, même si tu dis Kerabanan de Amre Keremawe, même si tu dis ça, tu as toujours une kouchia. Tu as toujours une kouchia que parfois 5, c'est lui la Humra. Répond la Gemara, Vieshtoma de Ravamot Kama. Ça, c'est incroyable. On ne comprend pas Tosfot. La pashut de Tosfot, ça serait de dire que cette réponse-là tient l'idée de Rav Amot Kamal. Mais ce n'est pas vrai, parce que Rav Amot Kamal, c'est la deuxième réponse de la Gemara, pas la première. D'accord? Ça, c'est le couchage qu'on a sur Tosfot. Peut-être qu'il faut comprendre, et il y en a Bémet, je crois, des Lishonim qui explique comme ça, que Tosfot dit, c'est pourquoi j'ai besoin de la deuxième réponse. Donc, cette première réponse-là, la Hissarov. J'ai besoin de la deuxième réponse. qui dit Rav Amot Kama. Très bien, je continue toi soit d'après. Kera banan de amre keremawe. Toi soit dit j'ai une kushia. Mais même selon la banane, parfois, c'est le fait de dire si c'est une kula. Pourquoi? Imaginez-vous, vous n'avez que deux rangées. Vous voyez, vous avez deux rangées de vignes. Si maintenant, entre ces deux rangées de vignes, vous n'avez pas trois rangées de vignes. Deux rangées de vignes. Si maintenant, dans ces deux rangées de vignes, j'ai un exemple. Hein. Vous avez
4 amot, mais une amas, c'est 5 tfahim. Comment ça va s'appeler? Ça va s'appeler une vigne. Donc, j'ai besoin de 4 amot pour travailler. Ouais. Mais si je dis que la vigne, donc ça, c'est 20 tfahim. Si maintenant... Si maintenant, j'ai 20 tfahim, mais j'ai 20... Tu parles à moi? Il fait de la musique. C'est moi l'internet. Bon, tu dois avoir un souci. Avec là. Tu dois avoir un souci. Déconnecte et connecte, je crois, c'est mieux. Et bourré sur l'internet. Reparle. Oui, je parle. C'est à mon tour. Non, que j'ai des problèmes. Oui. Alors, j'en commence. Si maintenant, on a. Si maintenant on a dit qu'une amas c'est 5 tfahim. Si maintenant j'ai entre les deux rangées, j'ai 20 tfahim, donc j'ai besoin de 4 amot de travail autour. Ça s'appellera kerem. D'accord? Mais si maintenant je dis que j'ai les amot, c'est des amot de 6 tfahim, donc jusqu'à 24 tfahim, c'est à partir de 24 tfahim que ça va s'appeler kerem. Sinon, non. Donc le fait de considérer 6, c'est une kula. Il faut donc considérer 5. Donc, même selon Rabbanan, oui, ça, il se peut, il existe des cas où c'est une kula de considérer une amas de sitfahim dans Kilaïm. Voilà, couché à deux tosfot. אַפֿאַל גאַב דעלע בנאַן מאָדים דעלע וועקערן אחד חינום רואים את האמצעים כאילו אינם לא ישרו שתיים נגד שתיים ואחת יוסי זנה אביי לו עיר אלה בעמות שהוזכרו בפירוש ולא בעמות דה משתמע מכלל דברי On dirait que Abaye, la Gemara, elle répond, Abaye, quand il a parlé des amot, c'est les amot qui sont écrits dans la Mishnah ou Braïta, que Hakamim, ils ont dit. Or, Hakamim, dans le cas de Ro'im, c'est qu'il y a, d'accord, Ro'im, Emsaim, Keilu, Enam. D'accord? Donc, ça veut dire, et on considère l'autre. Par contre, l'autre, on va le considérer. D'accord? Donc, c'est pourquoi le cas que toi, soit tu proposes, c'est un cas qui n'est pas écrit. On ne parle pas de ce cas-là. Quand Abaye a parlé, il a parlé des cas où on a parlé, où Hakamim, ils ont parlé dessus. Quand tu dis Roim, Keilu, Enam, ça veut dire que tu ne prends pas celui-là, mais tu prends celui d'à côté. D'accord? Jusqu'à arriver à 4 amot. D'accord? On dirait que c'est ça la réponse de Tosfot. Abaye loir ila be amot sheuzkar ou beferush, velo be amot de mishtama miklal jivrei. Il faut reprendre un petit peu la réponse de Tosfot, comme ça que je l'ai un peu comprise. Que Abaye, il parle des amot sur lesquels on est mahmir, sitfahim, ouais, les amot que le cas que Hakamim ils ont parlé. Et quand Hakamim ils ont parlé de ro'in, d'accord, on voit, ça veut dire qu'on parle d'un cas où il y a d'autres rangées de telle sorte à ce que les autres rangées vont faire en sorte que ça va s'appeler un kere. Et pas de ton cas à toi, Tosod, dans ta prouchia. Bien qu'on comprendrait ça, il n'a rien à mis, mais on ne parle pas de ce amala. Voilà, Tosfot, mais reprenez bien ce Tosfot-là qui est la banane. Juste, on finit le dernier enseignement, on laisse la dernière ligne pour demain. Verava mishme de Rav Nachman amar kolamot be'ama batshisha el alalu sohakot ve alalu asubot. Chaque ama que Hachamim ont parlé, batshisha, kolamot be'ama batshisha, dit Rava au nom de Rav Nachman, toujours c'est Sitfahim, mais il y a quand même une différence. C'est quoi? Alalu sohakot ou alalu asuvot. Ça veut dire quoi? Ceux de Kilaïm, ils sont sohakot, ils sont rieurs. D'accord? Ça veut dire une ama, un tefah. C'est tout sitfahim. D'accord? Tous les amas, c'est sitfahim. Maintenant, un tefah, c'est quoi? Un tefah, c'est 4 doigts comme ça, 4 pouces. Ou bien, on va dire 4 comme ça. 4 fahim, c'est serré comme ça. Un tefah serré comme ça, ça, c'est asuvot. Et ce hakot, c'est. Tu vois, il rigole un petit peu. Il rigole. Il soit un peu élargi, large. C'est, tu prends 4 doigts, 4 pouces comme ça, comme quand tu l'aplatis. Quand tu l'aplatis, hop, il est plus large le doigt. Le,
Ouais. Ah, c'est ça. Il ne faut pas qu'il se touche, autrement dit. Ou bien tu l'aplatis. Ouais. 4, toi, comme ça c'est un, ça c'est un tefa. Ça, c'est sohaq. Donc, il aïm, on est mahmir que les sitfahim, ils sont sohaqot. Mais par ailleurs, les sitfahim, ils sont asruvot. Triste. Point. De toute façon, ils disent, attention, loairi banar dirtivi, qui gon amad yesod et amad sovev. Mais comment tu dis tous les amod qui sont sitfahim? Parfois, voilà, on verra plus tard dans la sugya qu'il y a des amod de 5 sitfahim. Oui, mais ceux-là, ils sont écrits dans le passo. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont écrits dans le passo. D'accord? Je ne parle pas de ceux qui sont écrits dans le passo. Point. Voilà la mahlopet qu'il y a entre Abaye au nom de Rav Nachman et Rava au nom de Rav Nachman. Baruch Adonai Eleolam. Amen. Ve amen. Azak Azaru Baruch. ou Baruch. Vive Firouchraï. Là. Vive Pirouchraï. Ah ouais, ça aide, hein. Regardez bien, ça aide. Mais moi, j'ai encore mieux. Je vous ai déjà dit dans mes tiftas, ouais, ça aussi c'est pas mal. Dans mes tiftas, ils sont même en couleur. D'accord? Et j'ai vu, je crois que quelqu'un, hein, peut-être je vais essayer de récupérer ce. Il m'a montré, hein, une sorte de livre où il y a beaucoup, beaucoup de photos. Plus encore que ce que j'ai vu dans mes tiftas. Donc ça peut être. Ça peut être intéressant. Bon. Petit problème de connexion, peut-être. Allez, au revoir, à demain. À demain, Bezrat Hashem.